Les filles, like. Shani, M. Joy, like pour nous soutenir. Quelle performance vocale, mon Dieu! Bientôt à l'Accor Hôtel, à Zona. Oh voilà. L'Accor Hôtel tellement Arena. Tellement t'es un menteur, et ben t'as bafouillé parce que tu seras jamais à l'hôtel Accor. Ah, tu lances le défi. Tu me lances le défi. Bah, écoute-moi bien, quand même, avec ce que tu viens de faire, non. Même c'est ton jamais, partie. c'est ton jamais. Je voulais vous rassurer par rapport à une information que je vous ai communiquée la semaine dernière. Ah. Je vous ai dit qu'on allait passer en live sur YouTube en même temps que nous serions en live sur Twitch. J'ai vu plein de commentaires d'Ajatrice et d'Ajateurs très inquiets qui ont eu peur, qui se sont dit mais comment on va faire? On va plus retrouver le replay d'Aja sur YouTube. Que nenni, expression des années 50. Vous le retrouverez encore parce qu'en fait, comment ça se passe? Quand on sera en live le mercredi à partir de 19h30 en simultané et sur Twitch et sur YouTube, vous pourrez venir nous voir en live. Si vous avez 30 minutes de retard, vous aurez loupé bien sûr les 30 premières minutes comme à la télévision. Par contre, dès que les 2 heures de live d'Aja sont terminées, le replay se met tout de suite en place sur YouTube. D'accord. Ben bien sûr. Donc pas d'inquiétude, c'est juste 2 fois plus de plaisir, 2 fois plus de s'enfiler. Et c'est deux génial. Fois plus de quoi? De s'enfiler. De s'enfiler, deux en deux mots. Non, deux, D-E, plus pas loin, mots. S'enfiler. Ah. S'enfiler parce qu'il n'y a pas de montage. 4 mots. Mais c'est pas peut pas couper. Voilà. D'accord. Ok. Bon, on va accueillir nos invités de la semaine. Elles sont déjà copines alors qu'elles ne se connaissaient pas. J'aime trop. Non, mais vous avez d'un côté Shani l'anglais que vous avez tous découvert dans 10 couples parfaits. À la base, on s'en souvient. Par la suite, t'as fait La Villa des Cœurs Brisés saison 6. T'as fait Les Anges. T'as fait Le Reste du Monde. T'as fait l'année dernière Les 50. Tu n'es plus présente sur nos écrans de télévision depuis un petit moment. Et je vous manque. Tu nous manques terriblement. Ta vie aussi a beaucoup changé, beaucoup évolué. Tu pourras tout nous raconter. Joy, 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 joy to the world. Tout le monde va la fêter. Je la connais pas. Ah ouais. C'est la chanson de Maria Carré ou pas? Joy to the world. Bah oui, Joy, j'adore ton prénom, il veut dire joie. Ouais, c'est ça. Joy, écoutez-moi bien les gars, Joy, c'est la seule candidate française à avoir intégré la télé-réalité internationale Squid Game, ouais, le défi qui est actuellement, fraîchement sur Netflix. T'es le numéro 271 dedans et tu es à nos côtés sur Aja, tu nous as fait cet honneur. Merci, merci pour cette exclusivité. Merci à vous. Tu vas pouvoir répondre à toutes nos questions et Dieu sait si on en a des questions sur les secrets du tournage de Netflix Squid Game, le défi. Et Shani, t'étais hystérique toi en loge. Ah ouais, mais je suis toujours hystérique, hein. J'essaie de me... Elle se canalise. Ah ouais. Mais t'as envie de savoir plein de choses. Ouais, grave. Forcément, tout comme nous. Jinda. Oui, c'est moi. Comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, parfaitement bien. On est en semaine des choix. T'as choisi quoi comme coup de cœur, comme mood cette semaine, si tu veux nous teaser un petit peu? Alors, cette semaine, c'est particulier. Je ne vais faire qu'un down. Et c'est un gros down sur Jessica Thivenin. Vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure. Ok. Raymond, comment vas-tu? Raymond, c'est quoi la vanne? Pardon, Harold. Parce que je m'appelle Aaron Raymond en hommage à mon grand-père mort. Ah. Et bah moi aussi, je porte le prénom de mon grand-père. Et moi aussi, voilà, de ma grand-mère. Ah bah voilà. Et moi non. Et moi non. Ah voilà. Bah, non, rien à voir moi. Non. Je les exclus. Pardon. Ça va? Ça va et toi, Sam? Oui, parfaitement. T'as choisi quoi cette semaine, dans cette semaine des choix? Alors, moi, c'est pas un up, c'est pas un down, c'est un free down cette semaine. Et je vais vous parler d'une affaire qui a remué en effet Internet. Ah oui, c'est pas drôle. Voilà, depuis une semaine, 10 jours. Je vais en effet vous relater tout ce qui se passe autour de Koé et j'ai quelques exclus, comme d'hab. Ok, et je crois qu'on aura un témoignage en plateau. Restez avec nous. Alexandra. Ça va? Bah oui, ça va super, toi aussi? Impec. Contente de nous retrouver? Bah oui, ravie. En cette semaine des choix, t'as choisi quoi? Bah j'ai fait original du coup, j'ai choisi un down aussi. Ah oui, c'est possible. Down aujourd'hui. Ouais. Mais vous êtes tous d'humeur fracassante. Bah, je sais pas, il y a des choses qui nous ont pas plu. Alors qu'est-ce que tu vas nous dire sur l'amour et dans le pré cette semaine? Eh bah non. Quoi? J'en aurais encore à dire. Ah oui. Parce que disons des débriefs, j'en ai parlé longtemps. Avec son mec, tu vas pas parler de l'amour et dans le pré? Tu vas nous parler de quoi? Tu nous teases? Ouais, de Maëva Guénam et d'un testament qu'elle a laissé. Et donc on aura un petit peu les détails. Elle n'a que 26 ans et pourtant il y a déjà une trace écrite.
écrite de ses dernières volontés. Eh ben, on a hâte de découvrir tout ça et on finira cette émission avec une séquence, je sais que vous aimez beaucoup en plateau et que vous aimez aussi beaucoup à la maison et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été créée, c'est pour donner la parole à des personnes qui ont besoin de soutien, oui. Ça s'appelle l'Actu Libre. Je vous présenterai Seta. Seta, c'est une maman en détresse dont le fils est atteint d'autisme sévère, qui est victime de négligence au sein de la structure censée le protéger. Aujourd'hui, cette maman, elle estime que son fils est en danger, elle a peur pour lui, elle a peur pour sa vie. Il est tombé du deuxième étage de l'établissement social où il a été pris en charge. Il y a un compte qui a été créé qui s'appelle « Touche pas à mon fils » pour pouvoir aider cette jeune maman que vous découvrirez dans un petit instant. Elle nous rejoindra en plateau pour l'Actu Libre. Vous verrez, ce sera forcément un moment fort. En tout cas, un bel accompagnement de paroles auquel vous pourrez également contribuer derrière votre écran. Et j'aimerais, avant qu'on le rentre dans le vif du sujet, qu'on remercie Sandra. Merci, merci Sandra. Merci Sandra. C'est quoi? Non, c'est horrible. C'est quoi? Putain, mais faut pas faire... Mais pourquoi vous faites des trucs c'est vivant. Et là, c'est mort. Mais c'est des faux cafards. Ok. Allô, on n'est pas Halloween. C'est quoi le dos? Là, moi, je crois que c'est chocolat. Ça change des vêtements. Non, c'est pas des chocolats. C'est une petite blague de l'équipe. Voilà. D'accord. Et voilà. Voilà, voilà. Et bah, ça... Ah non. Non, c'est mieux des faux. J'en étais où? Oui. Bah oui. Merci Sandra. Merci Sandra. Merci. Avec moi. Merci Sandra. Merci Sandra. Merci. Merci Sandra Nakache. On peut te retrouver sur ton compte Instagram. C'est Sandra Nakache tiré du bas R. Tiré du bas. Make-up sans transition aucune. On passe tout de suite au pop-up de la semaine. On va vous parler du livre « Sous influence » de Carla Moreau. Alors, c'est particulier parce que le livre, il était en précommande sur Amazon depuis, je crois, 2 jours. Il est même plus disponible à la précommande. On ne sait pas pourquoi. Carla Moreau, elle en a pas parlé directement. Elle en a pas fait la promotion la première puisque c'est le compte Instagram Mon Exclu TV qui a diffusé la quatrième, ce qu'on appelle la quatrième de couverture. La quatrième de couverture, c'est quoi? C'est là où tu as une petite photo de l'autrice ou de l'auteur et c'est là où tu as un texte qui explique un petit peu ce que tu vas lire, ce que tu vas découvrir, ce que tu vas apprendre. Et si vous voulez savoir ce qu'on devrait logiquement apprendre dans ce nouvel ouvrage de Carla Moreau qui s'appelle Sous influence, regardez. Récemment, j'ai été au cœur d'un scandale médiatique. Une voyante m'a extorqué plus d'1 million d'euros. Puis, des vidéos à charge contre moi ont été publiées sur les réseaux sociaux. J'ai été accusée, humiliée, insultée. J'ai été traitée comme la coupable, comme le bourreau. Face à ces accusations, j'ai décidé de raconter mon histoire afin de vous raconter ma version des faits. De mon enfance à aujourd'hui, j'ai écrit tout ce qui m'a influencée à devenir celle que je suis devenue, à vivre ce que j'ai vécu. Dans ce témoignage, vous comprendrez que l'influence, bonne ou mauvaise, surtout mauvaise, a guidé ma vie depuis mon plus jeune âge. D'où viennent mon caractère, mon comportement, mes blessures les plus profondes, les plus sombres? Quels sont les drames de ma vie? Quand et pourquoi ai-je commencé la sorcellerie? Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Ce sont des questions auxquelles j'ai trouvé toutes les réponses. Et j'ai décidé de les partager avec vous. On va commencer par la question la plus simple du monde, mais qui va en dire long sur votre avis et votre avis aussi à la maison. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de la part de Carla Moreau de sortir cet ouvrage sous influence aujourd'hui, 2 ans après la polémique sorcellerie? Aaron. Mauvaise idée. Je peux dire pourquoi? Bien sûr. Bah, déjà, pour moi, j'ai un peu du mal avec ces gens qui s'autoproclament auteurs, autrices, alors qu'ils ne savent pas écrire 3 mots sans faute d'orthographe. Et j'ai aussi un peu du mal qu'elle fasse maintenant, pardon, parce qu'elle a eu quand même des occasions pour s'exprimer, elle a des réseaux aujourd'hui pour s'exprimer. Je pense qu'il y a aussi un appât du gain derrière, et elle sait qu'elle va faire des ventes, elle sait que ça intéresse des gens, et donc je pense qu'il y a plutôt une envie de faire de l'argent qu'une envie de libérer sa parole. On commence par les bonnes ou mauvaises idées, et après on part dans le débat. Alexandra, bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée aussi, je comprends pas pourquoi revenir là-dessus, c'était il y a 2 ans. Ok, elle libère sa parole, mais effectivement, je pense que derrière, il y a un éditeur qui est venu chercher, qui demande de l'argent. Je comprends pas. En plus, il y aura pas de droit de réponse ou ça va alimenter une polémique. Donc bref, je trouve que c'est un peu passé et que voilà, on aurait pu passer à autre chose. Jinda, bonne ou mauvaise idée cette phrase? Je pense que c'est une très bonne idée. Qu'il était temps d'ailleurs, parce qu'on connaît toujours pas la vérité 2-3 ans après. Je ne suis pas sûre que dans ce livre, elle dise vraiment toute la vérité. C'est peut-être le seul bémol que je mettrais dans cet avis-là. C'est juste que, voilà, moi je pense que
on ne va pas tout apprendre, on ne va pas tout savoir, tout ce qui va être extorsion notamment, la sorcellerie, je pense qu'elle va expliquer effectivement pourquoi elle a fait de la sorcellerie, mais elle ne rentrera pas. Abus de biens sociaux. Ouais, voilà, il y a des détails, c'est sûr, parce qu'il va y avoir encore des procès là-dessus, donc elle ne pourra pas tout dévoiler, mais je pense que Carla Moreau, on l'a oublié, moi personnellement je l'ai oublié Carla Moreau, et donc j'aimerais bien savoir ce qu'elle devient. Elle va être dans Power, au moment où je vous parle, il me semble, je ne me trompe pas, qu'elle a quitté le tournage de l'émission Power, je veux pas dire de bêtises, ouais, Power qui est destinée à W9. Elle va faire son grand retour sur W9 dans une émission qui, je crois, est créée par ceux qui faisaient Les Princes et les Princesses de l'Amour. Si je me trompe pas, il me semble que c'est Studio 89. C'est ça. Hein, c'est ça. Vous avez écouté l'avis de nos chroniqueurs qui vous ont exposé si c'était une bonne ou une mauvaise idée de la part de Carla Moreau de sortir ce livre sous influence aujourd'hui, dessous de ces histoires de sorcellerie. Votre verdict, Joy Squid Game. C'est mon nouveau nom de famille. Moi, perso, je pense que c'est une bonne idée. Je suis d'accord pour le côté business parce que je pense que c'est lié, surtout si elle va faire une émission. Mais je pense que tout le monde a donné un peu son avis, sa version, sauf elle. Et au final, c'est peut-être bien qu'elle s'exprime parce que c'est sa vie, c'est son histoire, c'est son expérience. Donc je pense que peut-être qu'elle n'était pas prête avant et que maintenant elle est prête. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Chani Langlais. Ouais, c'est ultra bienveillant comme réponse. Non, mais c'est vrai. je sais pas. En fait, moi, je pense que tu vois, quand tu fais des erreurs. Tu peux pas tout justifier par rapport au fait que t'aies souffert avant. Enfin, tu vois, genre, il s'agirait de, je sais pas, de s'excuser juste d'avoir fait des choses qui sont pas bien. En plus, elle parle d'influence, mais elle influence la première. Tu vois, c'est un peu son métier aujourd'hui d'être influenceuse. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Vas-y, poursuis. Non, mais c'est vrai, c'est que elle est dans l'influence elle-même, donc elle sait très bien l'impact qu'elle va avoir sur notamment les jeunes, hein, parce que c'est plus la jeunesse qui suit les gens comme ça, enfin les influenceurs de télé et tout. Mais je disais quoi, je sais pas, j'ai oublié. Tu ne crois pas au fait qu'elle ait été sous influence comme le titre l'indique? Ouais, exactement. C'est pas ça. C'est que en fait, elle, la première, je pense que oui, t'as toujours conscience quand tu fais des choses, surtout quand c'est sur le long terme comme ça. Tu vois, ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs et tout. Mais là, elle, je trouve qu'elle est allée loin dans ce qu'elle a fait et que ça justifie pas. Enfin, ce que t'as vécu avant ne justifie pas toujours les erreurs que tu fais. Donc c'est bien de les admettre et après on verra ce qu'il y a dans le livre. Après, oui, si on le titre, moi je suis pas très fan du titre parce que ça donne un petit peu le ton, ça laisse sous-entendre qu'elle est victime, alors que elle a agi, elle a fait des choses, elle a jamais été vraiment sous la contrainte, en tout cas pour non mais tu sais, déjà pour ce qui est de la sorcellerie, dans ses demandes, on a vu les vidéos, on a vu ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle a pu demander à la voyante par rapport à son ex Kevin. Par rapport aux Marseillais, ses amis des Marseillais, etc. On a vu les demandes qu'elle a pu faire à la voyante. Là, elle n'était pas du tout sous influence. C'était à sa demande personnelle. Mais là, quand ton titre du livre, c'est « Sous influence », ça veut dire « Je suis la victime ». Et c'est peut-être le petit bémol. Et c'est comme ça qu'elle semble se positionner. Et contrairement à ce que tu dis, et ton analyste a totalement le droit de l'avoir, je pense que tu n'es pas la seule à le partager, mais elle sous-entendrait donc qu'elle aurait été quelque part forcée, contrainte. Sous la menace, sous le chantage, on va pas refaire le débat. Oui. Ça fait 2 ans qu'on en a. Mais bien sûr. C'est pour ça que je dis, pour ce qui est de ces demandes de sorcellerie, pour moi, elle ne l'est pas. Après, il y a aussi le deuxième aspect de cette histoire de l'affaire Carla Moreau, c'est tout ce qui va être extorsion de fonds, etc. Là, peut-être qu'elle a été effectivement sous influence, mais pas sur les demandes. Alexandra. Et puis dans la forme aussi, je trouve que ça lui apporte une crédibilité, ça lui apporte un droit de parole, de raconter son histoire. Un livre, c'est pas anodin. On voit beaucoup sur les réseaux une libération de la parole, mais quand on a un livre qui sort, on est suivi par un éditeur et ça influence aussi quelque part, pour rejoindre ce que dit Jinda sur le côté victime, sous influence, le fait qu'il y ait un livre qui soit titré comme ça et qui sort, mais inconsciemment, ça peut aussi donner cette position-là aussi par le livre qui est poussé, quoi, qui la suit et le fait qu'elle raconte son histoire. Alors, dans ce média-là. Joy. Ouais, après, moi, je suis d'accord avec le fait que, sur les vidéos, clairement, elle est consciente de ce qu'elle fait et peut-être pas sous influence. C'est ça, elle semble consciente. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte aussi. Puis quand on est jeune, c'est peut-être sous influence du milieu en général. Elle venait de commencer, elle avait peut-être cette envie de poursuivre. Elle était aussi amoureuse. Donc quand on est amoureux, on fait tous des choses un peu borderline. Donc c'est peut-être influence au sens global, dans un contexte. Quand on lit le résumé, ce qu'on comprend, c'est qu'elle va expliquer depuis sa tendre jeunesse, en gros, tout ce qui s'est passé. Pourquoi elle en est arrivée à être sous influence, j'allais presque dire sous emprise. C'est le mot presque que j'aurais tendance à vouloir utiliser si je devais me mettre à sa place. Par contre, quand on lit une voyante, donc dans le résumé, une voyante m'a extorqué plus d'1 million d'euros,
clairement. On se doute que c'est pour ne pas être exposée à la diffamation. Bah, pardon, vas-y. Carrément, enfin, on sait que là, elle vise carrément Danaé, parce que c'est la seule sorcière, si on peut dire, qui a été mêlée dans l'histoire de Carla. Et effectivement, je pense qu'elle a peur que Danaé, à la lecture de son livre, porte plainte pour diffamation. Donc là, en fait, elle utilise un livre où je pense tout est bien juridiquement cadré, pour pas que Danaé ait peut-être un droit de réponse, même d'ailleurs qui lui est dû, je pense, et pour pas aussi que celle-ci porte plainte contre elle. Alors, je vous le confirme, je vous balance l'information, Danaé se réserve le droit de poursuite en justice, si diffamation il y a. Parce que c'est vrai que c'est quand même lourd de dire une voyante m'a extorqué plus d'un million d'euros. On n'est pas en train de parler d'une consultation à 90 balles. Oui, c'est énorme déjà, 90 euros. Mais cette phrase, on l'a déjà entendue quand elle a fait les plateaux télé, notamment TPMP, elle l'a déjà expliqué. Donc là, oui, comme tu disais, elle se couvre parce qu'elle dit une voyante et qu'elle ne va pas donner le nom de cette voyante. Mais cette histoire, elle l'a déjà racontée, donc on n'apprend rien en fait. Bah non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus? Après, on ne sait pas. Faut en définitive. En tout cas, sur ça, sur le fait qu'une voyante l'aurait extorqué d'un million d'euros, ça on le sait déjà. En tout cas, moi je vous annonce que Danaé souhaite écrire son livre également pour pouvoir, expliquer sa vérité. C'est le droit de réponse maintenant par maison d'édition. On a contacté, on a envoyé un message à Carla, on a envoyé un message aussi à Danaé. Moi je vous dis ce qui m'a été dit. Pour l'instant, elle ne veut pas trop commenter, elle n'a pas envie de commenter plus parce qu'elle attend de découvrir ce qu'il y a dans le livre, même si c'est vrai que ce qu'il y a sur la quatrième de couverture nous donne quand même le ton. Tu disais quoi, Ron? Elle dit rien aussi parce qu'elle va écrire son livre. Donc, si elle parle trop, qui va acheter son livre? Ouais, elle aura déjà tout dit. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a une instruction. Je pense que c'est parce qu'il y a une enquête. Rappelez-vous l'article du Parisien qui était sorti en février l'année dernière, qui disait qu'il y avait une enquête en cours. Apparemment, c'est parce que l'année dernière, au mois de février, Carla aurait à nouveau porté plainte. Déposé plainte, oui. Déposé plainte. Elle avait déposé plainte une fois, elle avait retiré et elle a déposé plainte. Elle a redéposé plainte par rapport à cette histoire de protocole. On en avait parlé ici sur ce même plateau. Avec un blogueur, Nabil était présent. Exactement. Voilà. Le protocole, elle disait que c'était quoi? C'est qu'en gros, elle achetait le silence de Danaé. C'est comme ça que ça avait été expliqué, en tout cas par Danaé et par Nabil El Mouni. Elle achetait leur silence. Eux, en contrepartie, ne disaient rien, ne faisaient plus de bruit autour de cette affaire qui avait fait grande polémique. Eux dénonçaient le fait que le protocole, comme ils l'appelaient, aurait été cassé dans le sens où Carla ne donnait plus, ne faisait plus les virements. Les avocats, de ce qu'on m'a raconté, apparemment, s'en seraient mêlés. Et par la suite, Carla Moreau aurait porté plainte en disant en fait, ce protocole, c'est des menaces et du chantage déguisé. C'est ça. C'est ça, hein? Exactement. Non, c'est très bien résumé. Voilà, donc, je ne sais pas si les protagonistes d'Anaé, en l'occurrence, a été entendu par la police. Ça, je ne le sais pas du tout. Certainement. Peut-être qu'elle le sera dans le cadre de l'enquête et on vous donnera bien sûr des nouvelles. Vous avez hâte de lire le livre de Carla ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai pas le lire personnellement. Ah, bah le. bah le chat non plus. Et le titre du livre de Danaé, ce sera quoi? Une influenceuse m'a. La réponse à l'influenceuse. Abracadabra. Pas mal. Abra d'Acarla. Oh. Ah, mieux. Allez, vas-y, encore une autre. J'ai plus rien là, non, j'y arriverai pas. Mais tu vois, en fait, ça en devient un peu ridicule, là, ces livres où ils vont se répondre de façon interposée. Enfin, vous avez, surtout Carla, elle a une communauté sur Instagram, sur TikTok, sur ce que tu veux. Pourquoi elle va écrire un livre? Fais une vidéo YouTube même. Enfin, je trouve que ça lui correspondrait plus qu'un livre, que l'autre, elle va aussi écrire un livre, la sorcière. Enfin, quelle intérêt. Enfin, c'est une sorcière différente, je pense. Parce que ceux qui vont sur Instagram, c'est pas forcément les mêmes personnes qui lisent des livres. Ceux qui vont acheter son livre, ça va être ceux qui la suivent. C'est des gens qui la suivent, Oui, mais peut-être qu'elle va viser plus de personnes aussi. Oui, bah après, il ne faut pas oublier qu'elle avait sorti un livre qui, a priori, avait plutôt bien marché. Je crois que ça s'appelait My Happy Book. Mon livre du bonheur. Ouais. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans Sous Influence. Mais moi, je vais vous donner mon avis. Ah. Ça arrive trop tard. Ouais. Si le livre était sorti ne serait-ce que l'année dernière ou encore il y a 9-10 mois, c'était un carton plein. Aujourd'hui, ça lasse. Mais attends, ça dépend. Oui, parce que là, tu viens de dire qu'elle était dans un programme télé. Donc, ça peut jouer. Et attention aussi, hein, parce qu'on en parle de ce livre, mais elle, Carla Moreau, à quel moment elle a fait la publicité de ce livre? On n'a pas vu sur ses réseaux sociaux. Là, j'ai regardé encore tout à l'heure, c'est pas disponible nulle part. C'est vrai. Donc, ça se trouve, c'est une fake news. Il a été en pré-vente sur Amazon un petit peu. Oui, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas, qu'elle n'en ait pas fait la publicité? Il a été retiré. Et parfois, ce qui se passe, je vous le dis, il y a des petites erreurs comme ça de calendrier. Où ton livre, il doit sortir par exemple le 26. Ça a été prévu et au final, c'est annulé. Moi, j'avais un livre en pré-vente. Ah bon? Ouais. Ah, mais comme Dylan Thierry, il avait un livre qui était prévu avec Gilles Verdès qui a été annulé. Je crois qu'il est encore en pré-vente et au final. Non, mais c'est un projet que. Enfin, le livre était en pré-vente. Ok.
Ok. Ah ouais. Et au final, il est jamais sorti. Non. Mais tu vas le sortir plus tard. Et à cause de quoi ? Non, non. Bah parce que j'étais dans mes crises d'angoisse, donc. Ah oui, on a enregistré une interview en toute intimité avec Shani. Elle a mis un an à se demander si elle allait aller faire cette interview, mais je crois que t'as plutôt apprécié au final l'exercice malgré ton stress. Ouais. Hein, vous découvrirez ça très bientôt. Vous verrez, c'est un beau moment qu'on a partagé. Voilà pour le pop-up de la semaine. On va tout de suite enchaîner avec les up and down. J'aurais presque envie de dire les down and down. Alexandra, c'est à toi. Je ne vais pas te demander quel est ton mood de la semaine. On le sait, il est colère. C'est un down, donc du coup. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc en intro, on va parler de Maëva Guénam qui a donc rédigé son testament. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, on n'a plus besoin de présenter Maëva Guénam. Hein. C'est quand même 3 200 000 abonnés sur Insta. C'est une star de télé-réalité. Elle partage tout avec ses abonnés. Et donc, même son testament, même ce qu'il y a de plus intime, pour le coup, elle a 26 ans. Donc, ça peut toujours étonner de parler d'un testament quand on a 26 ans. Enfin, moi, je trouve ça complètement étonnant. On vous a montré déjà en off un petit peu. Elle a rédigé, merci. Elle a rédigé sur un petit cahier un petit peu ses projections. Alors bon, là, on voit pas, mais je vais vous donner les détails. En gros, elle a dit qu'elle voulait être enterrée en Algérie. Elle a publié son testament signé de sa main et indiqué qu'il avait été fait à Dubaï où elle vit le 22 novembre 2023. Parce que moi, je me suis posé la question en préparant ce down de savoir si c'était vrai, si c'était un buzz. Légal. Ouais, ça a été fait vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, ça a été déposé, signé. Donc, c'est pas une blague. C'est vraiment quelque chose qu'elle a souhaité faire. Moi, je pensais qu'il fallait passer, tu sais, par un notaire. Et ben non. Et ben non. Tu as le droit. Tu peux le déposer chez toi. Okay. Voilà. Tu peux. Voilà. Moi, je sais que ma maman, je sais où il est rangé. Elle me l'a dit. Elle l'a rédigé. Truc. Voilà. Donc, on n'est pas besoin. C'est pas sous sein privé. Pas du tout. Ah, c'est bon à savoir. Ah ouais, moi aussi, je pensais que c'était. On peut le faire à la maison. Ouais. Et ça a une valeur, il faut que ce soit juste daté, et ça a une valeur légale. Donc elle l'a vraiment fait. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a mis dans son testament? Bah, qu'est-ce qu'elle a mis dans son testament? Et bah, c'est encore plus fort, parce que donc, ça, elle l'a écrit, mais elle l'a aussi expliqué face caméra à ses abonnés. On a la petite vidéo, vous allez voir. Elle nous parle aussi du process du testament. Pourquoi? Comment ça se passe? Justement, elle explique qu'elle a appris qu'elle avait le droit de le faire, etc. Regardez. Comme je pars, du coup, il faut que je rédige mon testament. Moi, je pensais qu'il fallait appeler un notaire pour rédiger son testament. Mais en fait, non, j'ai vu sur Internet que je pouvais le rédiger à l'écrit moi-même. Là, depuis tout à l'heure, je réfléchis à plutôt de quoi à qui. Et je vais le mettre dans mon coffre-fort. Et je vais vous partager comme ça, si jamais je meurs, vous envoyez mon testament et j'espère qu'il va être respecté. Moi, je veux une chose. Là, je vais écrire je donne quoi, combien de pourcents et tout ça, à qui. Et je veux une chose, c'est que si je meurs et que j'ai pas enlevé mes prothèses, et que si jamais j'ai des ongles, des cils et des extensions, je veux qu'on m'enlève mes prothèses dans mes tétés, mes cils, mes extensions de cils et mes extensions de cheveux. Voilà, donc c'est quand même, il y a beaucoup de détails. C'est sur le naturel, en fait. On a l'impression qu'elle veut revenir à l'état naturel, hein, au moment de... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire. Pourquoi vous êtes surpris? Pourquoi c'est ton down? Oui. Parce que mon down, je me dis, en fait, j'avais du mal à croire que c'est réel. Et surtout, je comprends pas qu'on partage ça avec ses abonnés. Ah, tu trouves que c'est ultra intime? Je trouve que c'est ultra intime et moi je ne comprends pas pourquoi. Alors je vous explique juste le contexte. Elle part, elle le dit d'ailleurs dans la vidéo, elle va faire un voyage qui a été offert par sa maman, elle va faire un pèlerinage à la Mecque. Ouais. Voilà, Umra, pour la petite histoire, à l'origine c'était un rituel fait par les Mécois, les habitants de la Mecque, pour invoquer la pluie pendant les périodes très sèches. Aujourd'hui c'est devenu un pèlerinage très connu et elle souhaite le faire. Et voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on revient, on fait un peu un reset de sa vie, on revient à l'essentiel, on essaye de se laver de ses péchés, on règle ses dettes si on en a, on essaye vraiment de se retrouver avec soi. Alors, je ne sais pas si tout cet attirail, les extensions de cheveux, les ongles, etc., ça s'inscrit là-dedans. Il faut faire un testament, tu vois, c'est peut-être ça aussi la question que tu t'es posée. Y a cette idée de laisser quelque chose à travers ce voyage pour renaître, et c'est ce qu'elle a expliqué. C'est que ce testament-là, c'est aussi une manière de coucher ses dernières volontés. C'est une vraie introspection, c'est une vraie manière de se retrouver, d'aller chercher des choses profondes autour de la spiritualité aussi, beaucoup. C'est quelque chose de très spirituel. Mais tu peux faire tout ça sans écrire un testament, puis si tu as envie de revenir au naturel, tu peux le faire avant de mourir. Si tu veux vraiment... Est-ce que toi, tu l'aurais partagé, Shani, Joy? Est-ce que vous l'auriez partagé sur les réseaux sociaux? Moi, personnellement, j'aurais pas partagé mon testament. Mais après, je peux comprendre dans le sens où elle partage vraiment tout avec sa communauté. Donc, nous, ce qu'on trouve intime, elle, pour elle, c'est pas forcément intime. Mais moi, c'est pas ça me choque pas qu'elle l'ait partagé. Qu'est-ce qui te choque? Mais c'est qu'on parle de revenir au naturel, de revenir à des sources plus saines et tout. Mais tu peux faire tout ça avant de mourir. Mais là, je crois qu'elle en parlait
quand elle meurt, parce que je crois qu'elle est musulmane, et dans l'islam, tu dois être entre guillemets. Ok, mais pas vraiment parfaite. Non, mais en tout cas, au moment de mourir, je crois, enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que tu dois être le plus naturel entre guillemets possible, ne pas avoir de tatouage. Je crois que rendre le corps comme on te l'a donné. Okay. Elle est déjà, moi je suis plus trop, mais j'ai vu passer quelques stories où elle cherche déjà à revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel dans sa tenue vestimentaire, dans le maquillage, retirer les fossiles, etc. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. Après, moi, je comprends pas ton down, parce que moi, j'aime bien, moi, le fait qu'elle fasse un testament, si c'est sincère, bien sûr. J'ai pas l'impression qu'elle cherche du buzz ou quoi que ce soit. Et comme tu l'as très bien dit, elle montre tout. On va pas revenir sur les différentes polémiques qu'elle a faites sur ses réseaux sociaux. Elle montre tout. Moi, je préfère la voir comme ça, la voir dire, ben voilà mes dernières volontés, si demain il m'arrive quelque chose, parce que elle se rapproche vraiment de sa religion, beaucoup plus, et c'est quelque chose auquel on ne pense jamais, mais effectivement, elle peut décéder demain et n'avoir rien laissé à sa mère, à ses enfants, si elle en a, à ses frères et sœurs, à ses oncles, donc... Moi, j'adore cette idée-là. Oui, mais quand il y a le détail de ce qu'elle va donner, le sac, etc., ou les sommes d'argent, ou le partage de qui quoi, moi, je trouve que c'est quelque chose de très personnel. Oui. Alors après... Tu trouves ça indécent ? Je vois pas en quoi ça regarde sa communauté. Qu'elle le fasse et qu'elle dise « j'ai fait mon testament ». J'ai 26 ans, j'ai fait un testament, c'est un choix, ok, je suis ok, mais je ne comprends pas le détail. C'est-à-dire que moi, la répartition, à titre personnel, je m'en fous. Aaron. Oui, mais pour moi, en fait, c'est qu'aujourd'hui, tous ces gens comme Ava Guenam ont fait de leur téléphone leur journal intime. Donc aujourd'hui, en effet, elles vont tout confier. Et je pense que si elle avait juste dit « je fais un testament », ça aurait posé des questions et on aurait dit ici « ah, mais elle dit ça sans préciser pourquoi, etc. » Moi, je trouve ça aussi très chouette qu'elle confie ça aux gens qui la regarde, ça nous rappelle aussi qu'effectivement la vie tient à fil et qu'il faut effectivement penser peut-être à léguer nos biens. En revanche, moi je pense que ce qui peut un peu choquer, c'est que ça arrive un peu comme ça, on se demande est-ce qu'elle veut mettre fin à ses jours, un pèlerinage. Honnêtement, moi je vois ça, je me dis, comme c'est pas courant de voir ça, moi je me dis bah quoi, elle veut quitter les réseaux sociaux, elle veut partir loin et puis des nouvelles. Moi c'est juste ça, je me suis dit bon bah juste, est-ce qu'il y a une raison, à part la spiritualité et la religion, est-ce qu'il y a une raison qui fait Elle a eu une année très compliquée. Elle a eu un empoisonnement avec des produits ménagers, l'annonce de son avortement en fin 2022, une récente hospitalisation à cause d'une infection sanguine. Je pense qu'aussi, il y a tout un process qui fait que oui, tu peux te poser des questions existentielles sur le sens de la vie, sur ce que ton avenir, etc. Elle était hospitalisée il n'y a pas longtemps. Elle était, voilà, pour une infection sanguine. Exactement. Ça, effectivement. Mais après, moi, donner le détail, personnellement, ça m'a mise mal à l'aise. Je la connais pas. Et j'ai découvert vraiment son univers et je me suis dit oui, bah, c'est un peu de trop. Et ça a suscité en plus des réactions et des polémiques derrière, notamment sur la question du pèlerinage. Elle a été accusée de radicalisation, justement. Donc elle a même répondu, on a une vidéo où elle répond à tout ça, parce que justement c'est associé pèlerinage, religion, radicalisation, tout ça c'est un sac où les gens mélangent tout, malheureusement. Et ça aussi c'est mon down, ça fait partie de mon down. Ça pour le coup, je trouve ça malheureux. On va regarder ce qu'elle dit. Je reçois des messages où on me dit « oui, Maëva, t'es en train de te radicaliser, tout ça ». C'est pas du tout ça, mes bébés. C'est vrai qu'en ce moment, dans mon contenu, je parle beaucoup de religion, mais c'est parce qu'en fait, je vais faire un pèlerinage. Mais pour un musulman, c'est le voyage d'une vie, ça se prépare, c'est vraiment le plus beau voyage du monde. Et vu que moi, dans mon contenu, je vous raconte ma vie, et que c'est ce qui se passe dans ma vie actuellement, c'est pour ça que je parle beaucoup de religion, et même j'ai complètement changé spirituellement et je me sens beaucoup mieux comme ça, je me sens beaucoup plus apaisée. Je reviens de loin, j'ai fait une dépression, mes bébés. J'avais vraiment besoin de me justifier parce que je vais vous montrer, hein, je reçois plein de messages de personnes qui sont pas musulmanes et qui me suivent, mais en fait je les comprends parce que ils connaissent pas ma religion et peut-être c'est pour ça qu'ils se posent des questions et qu'ils se disent que je suis en train de me radicaliser. Je me radicalise pas du tout. Voilà.
Et bah ça c'est chiant. Après, quoi, parce que moi, mais moi je trouve que c'est pas plus mal parce que bah du coup vu que les influenceurs ils montrent tout, ils montrent aussi les dérives et souvent quand il y a des scandales, les gens ils se plaignent, c'est un mauvais exemple, etc. Et du coup quand ils montrent des choses un peu bien, plus saines, on se plaint aussi en disant qu'ils montrent trop. Enfin du coup je pense qu'il faudrait savoir et moi je trouve ça bien de montrer bah quand on fait des choses saines. Moi j'aime bien cette nouvelle Maëva et après attention, elle va être attendue au tournant. C'est à dire que là tu as pris t'as choisi de changer radicalement, c'est-à-dire de montrer une autre personnalité de toi, d'être plus apaisée, la religion, etc. Demain, ils vont pas la louper si elle met un croc top, ouais. si elle met un comment on appelle ça, là, un décolleté hyper si touchant. Mais oui, parce que on est des humains, voilà, exactement. Après c'est une position, mais c'est totalement, mais il faut lui souhaiter qu'elle reste dans cette voie-là et que ce soit encore mieux. Moi c'est tout ce que je lui souhaite. Alors je suis d'accord avec toi Ginda, mais juste moi, enfin pour vous rappeler, il y a déjà quelques mois de ça, elle avait déjà dit je vais faire attention, je vais faire plus. Elle a fait une story avec un long test que moi j'avais bien lu, et quelques semaines après elle s'était réhabillée en mini-jupe, elle avait des stories un peu limite, tu vois. Donc elle a déjà tenu ce genre de discours. Alors moi, abonnés avaient dit mais t'as dit ça, mais t'es bourré en boîte de nuit. Voilà, etc. Donc moi effectivement, elle fait ce qu'elle veut et si elle veut se rappeler de sa religion, bah en vrai tant mieux pour elle. Mais effectivement, elle a déjà entre guillemets failli à ce qu'elle avait dit. Si là elle recommence, on va encore plus. J'avais tenu le même discours par rapport à une des sœurs Elimer, je sais plus c'est laquelle, c'est Marine. J'avais tenu exactement le même discours jusqu'à maintenant. Marine, elle est toujours droite dans ses bottes et niveau religion, enfin voilà, elle est en plein dans ce qu'elle souhaitait. Donc, et c'est ce que je souhaite aussi à Maëva. Si elle reste dans cette lignée-là, parfait. Mais c'est vrai qu'elle va être attendue au tournant parce que sa communauté et cette communauté en particulier, c'est-à-dire la religion musulmane, elle est tellement, on nous casse tellement sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., qu'on ne va pas la louper. Je le dis sincèrement, personne ne la loupera. Mais certains religieux se cassent aussi entre eux. Hein. Mais oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'en fait, il faudra un peu tolérer. C'est juste un processus. Et en fait, c'est normal que tu puisses. Peut-être qu'elle avait la volonté, il y a quelques mois, de vouloir être plus dans la religion. Et ça n'empêche que peut-être quelques jours après, elle est sortie en boîte. Mais ça ne veut pas dire qu'elle était fausse ou que c'était. Bien sûr, moi, je suis d'accord. Oui, et le problème, c'est que les gens, à peine tu dis quelque chose, ils t'attendent, comme tu disais, au tournant. Et je ne trouve pas ça normal parce que tu es juste un humain. Tu peux être un religieux et faire des erreurs. On communique dans l'oreillette qu'apparemment, le chat pense que ce serait que pour le buzz. En ce moment, c'est ce qu'est en train de s'écrire. Oui, ce qui est bien, c'est qu'un testament, ça se fait, ça se refait et ça peut changer. Oui, ça évolue. On n'est pas à l'abri de voir une deuxième version, une troisième version, et là, on pourra en reparler. Tu parles de sa nouvelle image en termes de buzz. Oui. Et vous pourriez, là, comme ça, petit tour rapide de canapé avant qu'on enchaîne, faire votre testament public. Et si vous avez envie de le partager, qu'est-ce que vous diriez, Joy? Moi, je pense pas que je le mettrais public, mais je sais même pas. Si mais en vrai, c'est une bonne idée de le faire. Je pense que je vais le faire ce soir, d'ailleurs. Ça m'a donné une idée. Moi, j'ai rien à lui dire. Moi. Non. Alexandra, toi, on a compris que tu ne le partages pas. Que non, il y a juste mon loulou, mon petit loulou, mon petit Yorkshire. Je veux savoir à qui on le confie, c'est tout. Mais mon testament, le reste, ça ne regarde personne. Aaron. Je ne partagerai pas mon testament et je ne pense pas en écrire un, je vous avoue. Bah si, ça fait mais si, en vrai, il faudrait. Ça ne fait pas mourir de faire son testament. C'est pas dans ma culture. Alors, le dire publiquement, bien évidemment que non, parce que je raconte pas. Non, je donc ne raconte tout pas. Tout le monde est d'accord avec down de Maëva, en final. Mais ça ne se dévoile pas. Mais non, mais parce que moi, je ne raconte pas ma vie personnelle sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je ne raconterai pas. Oui, c'est ça aussi. Je ne raconterai pas ça. Maintenant, un testament, oui. Et je pense qu'un peu comme elle, qui voudrait être enterrée en Algérie, moi, je demanderais à être enterrée au Sénégal. Ok. Voilà. Okay. Bonne idée. Je suis allée plein de fois au Sénégal. Et moi, personne ne me demande. Ah oui, et toi, ça Ah bah toi aussi, toi, c'est une fête. Non, mais moi, je le pensais à donner des croquettes à mon chien. En vrai, c'est même mieux. Chantez mes jingles au Zénith. Non, je plaisante. Non, à l'accord hôtel arène. Non, par contre, vous mettez mes jingles le moment où le cercueil, il arrive. Non. Ah si. Ah ouais. Les placements d'EP. Les placements déplacés. Non, blague à part, franchement. Mais non. Non, moi, je partagerais rien publiquement si je devais faire un testament. Par contre, ce que je dirais, c'est je ne veux aucun message, aucun soutien public des hypocrites de candidats de télé-réalité qui ne me donnent pas l'heure, ok, mais qui seront les premiers sur les réseaux sociaux à faire RIP. J'en veux pas. Voilà. Tu sais que ça fait 2 ans que tu le sors, ça. Je sais plus pourquoi, mais plein de fois on a parlé de ça et à chaque fois tu dis alors je vous le dis tout de suite, je veux personne à mon enterrement. Moi je veux pas de RIP d'hypocrite. S'il y a des RIP d'hypocrite, vous les signalez. Vous les bloquez. Promis, on fera ça. Ok. Et vous leur dites bande de rats.
pour ceux qui ont la ref. Je plaisante, bien sûr. T'as raison, Gilda, c'est pour tous ceux qui ont la ref. Merci, Alexandra, de nous avoir partagé ton humeur de la semaine. Gilda, c'est à toi. Ah, c'est moi. Bah oui, on sait que c'est un down, mais tu peux y aller. Ouais, c'est un down. Et cette semaine, mon down, il est pour les propos de Jessica Thivenin sur le physique d'une vieille dame. Oui, wow. Vous avez bien entendu. Oui, oui, oui. Elle a tenu... attention, d'abord, disclaimer tout de suite. Le but n'est pas que vous alliez, après mon down, aller la critiquer ou aller la harceler ou lui dire ce que vous pensez de mon down. On s'en fout, c'est pas ça. Je veux juste vous exposer les faits. Comme je le disais donc, Jessica, elle a fait des stories où littéralement, elle se moque du physique d'une femme âgée en la comparant à un flamby ou encore à une limace. Vous avez... Oui, 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 oui. Je vous laisse d'abord regarder la story et on en parle juste après. Hier, j'étais en train de prendre un petit déj, il y avait une fille, elle était en train de se baigner, une mamie, mais vraiment une vieille. Et genre, c'était un flamby le truc. Vous savez, c'était tout coulant, la peau, elle était marron, mais elle était tellement bronzée que, à mon avis, elle a dormi au soleil toute sa vie. C'était une limace, tu sais, je sais pas, tout gluant là. C'était pas bon. Ça crée des réactions au plateau. Hein. Bah, oui, j'espère bien, j'espère que vous serez tous d'accord avec mon down parce que moi, il m'a vraiment énervé. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que Jessica, elle avait fait des stories pour nous parler justement de ses chirurgies et elle nous avait expliqué qu'elle avait très peur de vieillir justement. Regardez. Je ferai plus jamais rien. Attention, hein, puisque je vais vieillir et j'aime pas vieillir. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, t'as pas envie de vieillir. Non, clairement non. Pourquoi j'aurais envie de vieillir? J'ai pas envie. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, j'ai envie de rester jeune et fraîche. Voilà. Ouais, et là, elle venait de subir donc des petites chirurgies esthétiques, vous en doutez bien. Quand on entend parler comme ça d'une femme âgée, en plus, on se demande si cette peur de vieillir qui lui fait avoir ce genre de propos, mais cela n'empêche, c'est pas parce que t'as peur de vieillir que tu dois tenir ce genre de discours. Pourtant, c'est la même Jessica Thivenin qui disait, quand elle recevait des commentaires sur son physique, ce genre de choses, regardez. Je trouve ça quand même assez incroyable de prendre, enfin surtout de perdre du temps à aller critiquer des gens en fait. Au lieu de se perdre ce temps-là, aller vous occuper de vos enfants ou alors aller passer du temps avec votre famille, votre chérie, enfin je sais pas dans quelle situation familiale vous êtes, mais occupez-vous quoi. Enfin je sais pas, perdre du temps pour ça. Moi des fois il y a des tenues que j'aime pas, je suis Kylie Jenner, je vais pas aller lui envoyer un message. Alors j'aime pas ta tenue aujourd'hui. Non, je m'en bats. En fait, c'est sa vie, c'est son truc. C'est vrai que les gens ils critiquent tout le temps. C'est pareil quand j'ai mon mari qui fait de la musique et quand je vois certains commentaires, mais je me dis, au pire, si ça te plaît pas, n'écoute pas. Laisse-le kiffer, laisse-le faire, ça lui fait plaisir, il se régale. Enfin, à un moment donné, c'est terrible de toujours vouloir tout critiquer. Le physique, les activités, la façon d'éduquer. Ouais, une story relayée par Exclu TV. Allez, ils se foutent de ma gueule parce que pendant le off, pendant qu'il y a le truc, je dis à Jinda, n'oublie pas de dire que ça a été relayé par tel média. Tu me l'as dit trois fois. Oui, bah, je suis comme les vieilles. C'est comme ça. Tu ressembles à toi aussi. Ouais, flambi, flambi. Oh. Non, mais voilà, c'est juste que j'aurais trouvé ça cool qu'elle se l'applique à elle-même, en fait, ce qu'elle vient de dire, en fait. Tu vois, elle dit qu'il faut pas critiquer les gens, qu'il faut s'occuper de ses enfants, de son conjoint, de trucs. Mais tu viens de faire la même chose. Donc, je comprends pas. Surtout qu'elle répond aussi souvent à des commentaires qui sont liés à son physique. Elle fait souvent des questions-réponses sur ses réseaux sociaux, comme ici par exemple, où un internaute lui dit « Tes formes ne vont pas avec ton corps, on voit bien que tout est faux, c'est dommage. Si tu étais un peu plus en chair, ce serait harmonieux. Là, on dirait que tu es malade. » Voici ce qu'elle a répondu. « C'est fou ce genre de commentaire. Je l'ai même 1000 fois par jour. Alors non, je ne suis pas anorexique, je mange très bien, je ne suis pas non plus boulimique, je ne me fais pas vomir, tu es anorexique, bref. » Laissez-moi, je me sens bien dans mon corps, dans ma tête, et ça, c'est le principal. Si vous voulez pas être mince comme moi, ben le soyez pas, tant que chacun est bien dans son corps. Mais comment tu peux dire cette phrase-là? Peut-être que cette femme que tu viens de traiter de flamby, de limace, peut-être qu'elle aussi, elle se sent bien dans son corps. Alors, je me permets, parce que je suis obligé de le dire, le chat est en train de nous dire que selon eux, la vidéo aurait été sortie de son contexte. Ah. Ils nous disent qu'il y avait un contexte. Alors, c'est quoi le contexte? Eh ben, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à nous le dire et je ferai mon mea culpa comme d'habitude si c'est le cas. Mais en tout cas, on peut comprendre que les propos là comme ça, de décoffrage comme ça, t'es choquée. Quand j'ai vu ça, oui, bien évidemment, j'étais choquée. Après, en plus, c'est vrai que je me suis dit, zut, j'ai pas, même quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, j'ai pas le avant, j'ai pas le après, donc ça me dérange un petit peu. Mais
voir comme ça, déjà, c'est hyper choquant. Alors, on vient de me communiquer le contexte. Vas-y, dis-moi. Mais c'est intéressant. Apparemment, le contexte, ce serait, selon nos agiatrices et agiateurs, que Jessica fait très attention à sa peau pour ne pas vieillir, à ne pas trop s'exposer au soleil, etc. Vous me dites, hein, si je me trompe dans l'oreillette, et qu'elle réagissait à une femme qui s'exposait un peu trop au soleil. Mais donc, c'est quoi le raison? Mais c'est pas une raison pour... Oui, mais alors... Oui, bah alors, non, le contexte, il tient pas. Dans non. Juste, le contexte, si tu m'avais dit, elle a rêvé, elle raconte un rêve, je te dis, ok, mais là, pardon, mais t'as vu une personne âgée, tu la traites de flambie, de limace, non? Ça se fait pas. Aaron, parce qu'il meurt d'envie de parler, après, je vous dis mon petit truc. Oui, alors, moi, je suis pas trop d'accord avec toi. En fait, c'est-à-dire que... Mais je vais m'expliquer pourquoi, avant de faire ta grimace. C'est-à-dire que effectivement, on ne peut pas critiquer le physique des gens, c'est horrible, je suis d'accord avec toi. Elle n'aurait pas dû faire cette vidéo, je suis d'accord avec toi. C'est pas cohérent parce que elle, quand on la critique, bah elle, oui. veut, elle dit c'est bah pas oui. normal. Sauf que, deux choses. Je pense qu'on a tous déjà critiqué le physique des gens, effectivement, sans le partager. Mais là, c'est gratuit. Si je peux finir, s'il vous plaît. Pardon. Merci. Oh, avec le sourire. Oh, il y a une évolution. Normalement, je fais comme ça. Voilà. Il y a du... Bref. Donc là, en effet, son erreur, c'est de le partager en public. Mais ce qu'il faut différencier de ce qu'elle dit et de ce qu'on lui dit, c'est que là, on va l'attaquer directement. Là, elle parle d'une dame qu'on ne connaît pas. Cette dame-là ne verra pas cette story-là. C'était pas visé méchamment. Quand les gens vont dire à Jessica, mais oui. Complètement fou, toi. Non, mais je suis non, pas fou. Mais même, attends, parce qu'elle est extrêmement suivie. C'est pas un exemple. On parle pas comme c'est, ça. C'est exactement. Il est où le respect? Peu importe la dame. Dire. Évidemment, on connaît pas son nom. On sait pas où elle vit. Mais c'est une manière de parler, une manière de s'exprimer, une manière de respecter. Un peu de respect. Et c'est toujours les personnes âgées. Nos invités. C'est souvent qu'on entend la vieille. C'est facile. On se dit quoi alors? Ça aurait pu être ta mamie. Hein. Exactement. Nos invités. Joy, vous avez envie de vous exprimer, je le vois. Moi, je suis d'accord avec Aaron juste sur le point où c'est pas la même chose de critiquer quelqu'un voilà, qu'on connaît pas, que personne connaît, et d'aller directement critiquer quelqu'un sous sa photo, où là c'est vraiment une attaque directe, sur ça je suis d'accord. Par contre, je comprends ton down, parce que bah, clairement c'est du body shaming, et je pense que bah, là on n'en est plus là, surtout si c'est une personne qui a beaucoup été critiquée sur son Exactement. Physique, je trouve que c'est vachement petit de critiquer non, c'est surtout quand c'est une personne qui une fois de plus est suivie par énormément de personnes et qui donne l'exemple, et elle sait pertinemment qu'elle donne l'exemple. Et tu donnes pas de ce genre d'exemple quand t'as conscience de la communauté que t'as. C'est... Je suis d'accord. Vas-y. Alexandra, quel intérêt? En plus, est-ce que quelqu'un peut me dire quel intérêt? Mais je suis d'accord. Ouais. Jinda va te répondre. Quel intérêt? Il y en a aucun. Elle a aucun intérêt. Aaron, tu m'énerves. Mais bon, non, mais je comprends le point où attaquer une personne personnellement sur ses réseaux et critiquer quelqu'un, c'est voilà. Non, mais sur ce point, je comprends. À aucun moment, je cautionne ce qu'elle dit. À aucun moment, je soutiens ce qu'elle dit. Juste, on est là aussi pour nuancer ce qu'on pense. Et moi, je me dis juste que c'est faut bien prendre en considération que c'est pas la même chose de critiquer quelqu'un en te disant Jinda t'es moche ou en disant en story ah je trouve qu'elle est moche, on sait pas, je parle de toi. Oui, mais quand même, t'es suivi par des milliers de personnes et tout, genre fais pas ça, tu vois. C'est pas un bon discours. Oui, j'ai compris. Mais en fait, pour moi, ce qui m'a posé problème, c'est que tu reprends des vidéos du passé où elle répond aux gens qui critiquent son physique, mais c'est pas la même chose quand Jessica parle d'une inconnue. C'est là où je voulais dire. Mais on parle pas d'une personne, on parle pas d'une femme âgée qui t'a dépassé à la caisse et que t'insultes comme ça et que personne ne connaît. Ouais. Là, on parle d'un physique. Tu vois, elle a dit qu'elle ressemble à un flambi. Oui, en plus, c'est avec la tête comme ça dénigrante, quoi. Un flambi. Bah, c'est peut-être beau. C'est machin. C'est peut-être beau. Non, mais c'est pas beau. C'est pas beau pour elle, comme elle est. Exactement. Bref, et juste la petite vidéo là où elle a ses gros cocards et tout. Moi, je me souviens sur Aja, ici, je l'avais critiqué d'ailleurs. Jessica, sur son physique, tu te rappelles? J'avais dit qu'elle ressemblait à un cadavre. Ouais. J'avais dit ça. Ouais. Oui, j'avais dit ça. Ouais. J'avais dit ça parce qu'elle m'avait, ça m'avait énervé qu'elle se montre comme ça sur les réseaux sociaux par rapport à tous ces jeunes justement qui la suivent et qui vont aller faire de la chirurgie pour essayer de ressembler à telle ou telle personne. Donc, et je m'étais excusée après parce que justement ça attaquait le physique et je voulais pas l'attaquer sur le physique, je disais juste que là comme ça elle ressemblait à un elle fait peur, vous pouvez pas dire oui, le contraire. Mais donc, t'as attaqué son non, physique mais, oui mais je me suis excusée tout de suite sur le Aja je me suis excusée tout de suite, mais j'ai pas pris mes réseaux sociaux pour aller dire oh là là Jessica Thivenin elle ressemble à ci, elle ressemble à ça, elle est dégueulasse, elle ressemble à un cadavre, et pas... j'aurais jamais fait ça. Là c'était spontané, c'est sorti comme ça parce qu'elle m'a ça m'avait énervé. Mettez-vous à la place de toutes les accros de la plage qui se grillent au soleil, à l'huile d'olive et au zitoun depuis je sais pas combien d'années.
Ben oui, et qui se sentent visés. Bah voilà. Non, mais graisse à traire. Et puis après, je peux comprendre. C'est vrai que elle a beaucoup une grosse communauté, donc forcément, bah ça donne un mauvais exemple. Après, le problème, c'est que eux, ils se placent pas forcément en tant qu'exemple. Ils ont juste été suivis pour qui ils sont. Elle a été suivie justement pour ce genre de choses. Elle donnait son avis. Elle est elle-même. Elle s'est jamais positionnée en tant qu'exemple. Par contre, je pense qu'il y a le fait de pas forcément être un exemple. Et après, il y a la moralité. Enfin, juste, c'est gratuit, comme t'as dit. Et puis en plus. Je trouve que ça donne tellement, en fait, on se focus toujours sur le physique, alors que on met tellement d'argent, de temps pour paraître beau à l'extérieur, alors que en vrai, on devrait plutôt. C'est pour ça que c'était mon down, parce que je trouvais ça un petit peu culotté de la part d'une influenceuse qui se fait beaucoup critiquer sur les réseaux sociaux de par son physique, de critiquer le physique d'une vieille dame. Ça tombe bien, le port de Blind Box. Ah oui, c'est. Bref, c'était une mauvaise blague. On a compris, t'inquiète. Mais oui, c'est pour ceux qui ont la rêve, qui connaissent bien les placements, voilà. Déplacés. Ou bien placés, sait-on jamais. Bon, merci Jinda de nous avoir communiqué ton mood de la semaine. On retournera au Up and Down dans un petit instant. Parce que d'abord, c'est les secrets de Squid Game, les secrets de Joy. C'est-à-dire 271. Alors, Squid Game, je me sens un petit peu... vieillissant en faisant le pitch de cette émission, parce que j'imagine que vous êtes la plupart d'entre vous l'avez regardé. Ça a été lancé en 2021 sur Netflix. Oui. Il y a eu plus d'un demi-milliard d'heures visionnées en une semaine quand l'émission est sortie, la série. Ça, c'était à travers le monde. C'est donc la série la plus regardée de toute la plateforme en termes de streaming. Le pitch, c'est quoi? C'est 456 personnes qui sont plongées dans la misère, recrutées pour se soumettre à une série d'épreuves qui sont mortelles s'ils ne les réussissent pas, pour la plupart, et tous acceptés donc dans l'espoir d'être le dernier survivant et de remporter donc une somme d'argent faramineuse. Dans Squid Game, le défi, qui est donc la télé-réalité inspirée de la série Netflix, ça reprend complètement le concept. Il y a quand même une différence de taille, hein, Joy. On meurt pas. Ben oui. Et oui, vous êtes éliminé, mais vous ne mourrez pas. Ma mère est en panique quand je suis partie. Oui. Elle dit, mais t'es sûre, ils sont prêts à tous nos jours et tu finis bien ton contrat. Cependant, vous êtes également 456 candidats. Et écoutez bien, le gagnant remportera la somme de 4,56 millions d'euros. La production a annoncé, tout à fait, Joy, que c'est le price le plus important de toute l'histoire de la télé-réalité. Pour la petite info, pourquoi 4,56 millions? Parce que chaque joueur vaut 10 000 dollars, je sais plus, je crois que c'est en dollars. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un joueur qui part, il y a 10 000 euros qui tombent dans la cagnotte. Ah, je pensais parce que 456 candidats? Non, 456 fois 10 000 en gros. Bah oui, parce que 456 fois 10 000. Excusez-moi, je suis nulle en maths. Je crois que c'est 10 000, hein. Ouais, non, on va pas s'enfoncer là-dedans, en fait. Ah, voilà, vous faisiez les malins. Non, mais voilà. C'est ça. Parce que je suis sûr, il y en a dans le chat qui sortent la calculatrice, le téléphone, en ce moment même, et qui vont écrire le commentaire, vous dites n'importe quoi. Oui, mais c'est facile quand on est une calculatrice, quand même, sous les yeux. Voilà. Bon, Joy, tu te doutes qu'on a un milliard de questions. Joy, tu es la seule candidate française à participer à l'émission Squid Game, le défi sur Netflix. T'es le numéro 271. C'est un truc de fou. On veut tout savoir. Ça va pouvoir jaillir en questions. N'hésitez pas. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ton programme. Il y a des participants qui ont annoncé poursuivre d'ailleurs la production en justice, dénonçant des conditions, notamment de mauvaise sécurité selon eux, mauvaises conditions sanitaires, notamment autour du jeu 1, 2, 3 soleil. Il y en a qui seraient tombés en hypothermie, ils disent qu'il faisait moins 4 degrés, ils ont eu des lésions nerveuses, etc. Joy, tout comme eux, est-ce que tu considères que les conditions de tournage étaient extrêmes, étaient dangereuses? Alors moi j'ai pas du tout eu cette expérience. Après c'est vrai que le premier jeu en particulier il faisait très froid et qu'à l'écran on dirait que ça a duré 5 minutes mais en fait ça a duré 4 heures pour ceux qui sont arrivés dans les premiers. Donc moi je suis arrivée dans la deuxième vague donc 4 heures et 8 heures pour ceux qui sont arrivés en dernier. Donc en gros à chaque fois qu'on était immobile, donc elle faisait 1, 2, 3 soleil la poupée, et à chaque fois qu'on était immobile ça durait pas 30 secondes. Bah ouais. Et c'est pour ça que plus de la moitié des joueurs sont partis dès le début. Alors ça a duré combien de temps? Par exemple t'as la poupée qui fait 1, 2, 3 soleil, vous courez, elle se retourne. Et en fait on restait, après on n'avait pas le temps mais c'était une trentaine de minutes. Mais tu sais que c'est incroyable parce que moi j'ai regardé hier et en fait je vois une fille au moment de 1, 2, 3 soleil qui est en squat. Ouais, et personne n'a compris. Moi je me dis mais enfin tu sais
même moi, je suis la dernière des sportives, mais tu restes. Mais oui, mais personne n'a compris. Et là, parce qu'on dirait qu'elle est restée 10 secondes, mais en fait, on était restés 30 minutes immobiles dans le froid. Et en fait, le truc, c'est hyper dur. Il y a des. Ouais, non, je pense qu'ils savaient pas. Je pense vraiment qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il fasse aussi froid, en fait. Et du coup, je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que le jeu soit aussi difficile. Oui, mais pourquoi c'est. Mais voilà, je pense que. Parce qu'en fait, sinon, c'est trop facile. Donc, du coup. C'est pas pour une histoire de caméra? Si, aussi, mais après, ils n'ont pas besoin de filmer pendant 30 minutes. Donc, pendant qu'on est immobile, il y a les caméras qui arrivent, qui filment, etc. Bon, il y a des caméras partout. Donc, il y a des caméras fixes sur le terrain. Et il y a aussi des caméramans et des drones, du coup, pendant qu'on est immobile. Ah, c'est pour ça que certains avaient les mains dans les poches. Voilà. Parce qu'il faisait vraiment glacial. Enfin, il faisait super, super froid. Et du coup, si tu as le malheur de t'arrêter en squat, par exemple, franchement, c'est hyper compliqué. La bonne technique, c'était celui qui s'allongeait par terre. Non, le pire, moi, je l'ai fait. J'ai tout essayé. Je me suis mis allongée par terre, sur le dos, assise. Et en fait, par terre, bah, en fait, t'as tout ton corps qui refroidit. Ah bah. C'est le pire, c'est le pire. Ah, ça, ouais. Ouais. Mais est-ce que vous saviez que vous deviez attendre 30 minutes? Oui, non, en gros, tu sais que tu dois attendre jusqu'à ce que la poupée recommence mais à chanter. Mais tu sais pas que c'est ça. Non, oh là, donc au début, tu te dis, bon, le terrain, il est un peu grand, mais ça va. Et là, premier round, t'attends. Et là, t'attends de plus en plus et tu commences à dire qu'il fait vraiment froid. Et en fait, tu comprends qu'en fait, tu vas attendre comme ça. Il n'y a pas eu de rébellion pendant le tournage? Non, il n'y en a pas qui se sont dit. Bah, il y en a du coup qui. C'est vrai qu'il y a eu deux ou trois personnes, je crois, qui se sont senties mal et du coup, qui ont appelé le médecin. Par contre, moi, je trouve qu'on était hyper bien pris en charge. À la seconde où tu te sens mal, il y a des médecins qui viennent directement te prendre en charge. Après, forcément, bah, du coup, tu ne peux plus continuer le jeu, donc tu es éliminé. Mais pendant que quelqu'un était pris en charge, on pouvait bouger. Parce que du coup, ça rallonge le temps. Mais il y a des candidats, il me semble qu'il y a 3-4 candidats qui ont annoncé qu'ils allaient porter plainte contre la production pour mauvais traitement, en gros. En fait, pour être honnête, moi, je pense que quand il y a plein, on a plein qui sont venus des États-Unis, donc on fait je sais pas combien d'heures de vol. Brighton, j'adore. Ouais, Brighton. Ouais, il est incroyable. Et il y en a plein en fait qui sont venus des États-Unis, donc on fait je sais pas combien d'heures de vol. Et en fait, quand tu perds au premier jeu, bah en fait tu fais pas vraiment l'aventure parce que tu rentres même pas dans les dortoirs. Donc en gros, tu fais vraiment aller retour. Ouais, et il y en a plein en fait qui sont venus en espérant au moins passer le premier jeu et en fait qui ont été dégoûtés et je pense du coup qui ont fait. Parce qu'en plus c'est pas trop du jeu parce que le jeu qui doit durer 5 minutes dure 7 heures. Forcément, ça va. Éliminer la moitié des joueurs. Bah, il y a 259 joueurs, je crois, qui sont partis. Bah, après, le but, c'est sûr que c'est pas qu'on arrive tous à la ligne d'arrivée. Et puis, c'est dur de filmer 400, je sais pas combien ils sont, tu vois, donc t'es crémé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je me dis que. Mais après, à leur décharge, je pense vraiment pas qu'ils. Parce que même quand les gens ils appelaient les médecins, ils étaient tout de suite, ils arrivaient tout de suite, ils nous disaient, vous pouvez bouger, vous inquiétez pas, le temps que les médecins arrivent, etc. Donc, je pense qu'eux-mêmes. Et puis, dès qu'on avait fini, du coup, dès qu'on avait passé la ligne, ils nous prenaient directement au chaud et puis ils nous disaient, oui, on s'attendait pas. Ça peut créer une psychose. Moi, si je suis sur un jeu, puis il y a des psychologues sur monde, elle commence à tomber dans les pommes, etc. Mais ça, c'est pas passé comme ça. Moi, je me dis aussi, oh là là, je me sens pas bien, moi non plus. Non, il y a peut-être deux ou trois personnes. Il y a deux ou trois personnes qui. Non, mais en fait, t'es tellement focus que. Tu vois pas les autres qui s'écroulent. Non, mais en fait, quand il y a une personne qui sent mal, elle le dit. Et puis, du coup, tu peux appeler médic. Donc, en gros, voilà. Et ils arrivent. Et toi, juste, tu peux. Tu peux pas courir sur le terrain, mais tu peux un peu t'étirer, etc. Chani, après Jinda après moi. Mais est-ce que quand t'appelles le médecin, t'es automatiquement éliminé? Oui, parce que du et coup, c'est comme ça. Est-ce que, c'est les personnes qu'on voit qui sont éliminées, genre, pour rien? Ben. Je pense, ouais. Parce qu'en gros, quand, c'est ça, parce qu'ils sont obligés de trouver une raison. Et en gros, quand le médecin, il vient, tu peux bouger, tu peux boire, etc. Donc forcément, t'as un avantage. Donc du coup, tu... Jinda. Moi, je voulais savoir comment elle était arrivée là, d'abord. Mais oui, ben oui. Et après, moi, je veux savoir quelque chose par rapport aux culottes. Ok. Mais oui, parce qu'ils ont droit. Non, mais je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, tous les candidats qui fassent deux jours ou qui fassent genre un mois d'aventure, t'as droit qu'à deux culottes en soutien-gorge. Ouais, une paire de chaussettes. Je sais plus c'est deux ou trois, mais en gros, c'est vraiment restreint. Deux culottes, deux paires de chaussettes. Ah oui, mais même. tu la laves au dortoir et tout. Mais franchement, c'est trop bien. Mais enfin, du coup, comment je suis arrivée là, en gros, j'avais été contactée pour faire une autre émission, enfin, rien à voir, qui s'appelle Too Hot to Handle. Oh. Donc, ouais, qui est sur Netflix aussi. Et c'était j'étais en couple à ce moment-là. Donc, c'était pas possible vu que amoureuse. Et en fait, quand je me suis séparée, donc l'année dernière, à peu près en mai, j'étais célibataire et tout, et je me suis dit, je vais peut-être recontacter la casteuse, donc je l'ai recontactée. Et en gros, donc elle m'a dit qu'elle travaillait plus, du coup, elle avait déménagé en Australie, donc elle travaillait plus sur ce casting, mais elle m'a dit qu'il y avait un gros casting qui était en cours, et d'envoyer, du coup, ma candidature, elle m'a envoyé un lien, et de l'appeler dès que c'était fait pour qu'elle puisse toucher un mot à ses collègues, parce qu'elle avait adoré mon profil. Donc c'est ce que j'ai fait, et à la seconde où j'ai envoyé la candidature, elle a, du coup, je l'ai appelée.
appelé, enfin je lui ai dit, et même pas 10 minutes après j'ai reçu un appel d'une casteuse qui m'a dit oui j'ai vu ton profil, j'adore, et puis en fait c'est parti. Et si t'avais pas postulé, il y aurait pas du tout eu de français, parce que c'est dingue d'être la seule française quand même. Bah ouais, il y avait quasiment que des... You speak English? Yeah, of course. Yeah. Oh, excusez-moi. Fluently? Yeah, fluently. Okay. Yeah. You want to switch in English right now? Yeah, we can try. Ajay in English maybe? Yeah, let's do it. Do it? Right. C'est trop le mec alors que c'est tout ce que tu sais. No, because I've been traveling. Oh, yeah. J'ai fait les acteurs de Twilight, en interview, Riverdale, High School Musical, so I speak English, Jinda. Oh, okay, that's sorry. Okay. Wahal, Jouch, Kleta. Oh! Je peux switch? Oh! Eh ouais. Yeah, we can do it in English, no worries. Ok, je te laisse poursuivre en français. Et Shani te regarde avec des yeux. Ah ouais. Alors elle a envie de... Ah non, je sais que t'es en couple, t'inquiète pas. Voilà, je sais que t'es en couple, ne t'inquiète pas. Je vais me faire que des problèmes. Pardon ma petite Joy d'avoir coupé. Non, pas de souci. Et oui, et du coup, donc la casteuse m'a appelée, donc on a eu un premier entretien téléphonique. En gros, c'est plus un entretien pour apprendre à se connaître, etc. Et ça s'est super bien passé, donc ça dure une trentaine de minutes. Elle a adoré, et là, du coup, elle m'a proposé le vrai casting, en gros, qui dure en visio, parce qu'eux, ils sont à Londres, et c'est une production anglaise. Et du coup, ça, c'est un vrai casting, donc ça dure 2 heures, c'est hyper long et tout. Mais moi, j'ai adoré, parce que, enfin, ce que j'ai bien aimé, en tout cas, avec cette production, c'est vraiment qu'en gros, c'est pas le sois toi-même un peu cliché, c'est vraiment sois toi-même. C'est-à-dire que dans les castings, elles demandent pas de jouer un rôle, c'est vraiment si t'es timide, bah c'est pas grave, sois vraiment comme t'es dans la vraie vie. Et en fait, t'oublies et t'as vraiment l'impression de parler avec une copine. Enfin, moi, à la fin, j'avais oublié que c'était un casting. Et du coup, t'as été prise pour quoi? Est-ce qu'elle m'a dit, parce que du coup après c'est très long, hein. Moi j'ai eu mon premier casting, mon premier appel téléphonique en juin, et j'ai eu ma réponse en décembre, donc 6 mois, c'était super long, donc elle m'a expliqué que c'était le plus gros casting de l'histoire de la télé-réalité, que c'était le plus gros cash prize. Mais tu savais que c'était Squid Game? Oui, non, pas du tout. Tu savais que ça allait être exactement les mêmes trucs? Non, en fait moi au début, vu que la première casseuse elle m'avait contactée pour Too Hot to Handle, j'étais sûre et certaine que c'était pour un truc de dating énorme et tout, et c'est vraiment au deuxième casting qu'elle m'a dit que c'était une télé d'aventure, mais je crois pas qu'elle m'avait dit Squid Game. Et c'est le troisième casting avec du coup la direction où là ils m'ont annoncé que donc j'étais prise, que j'avais encore un casting et que c'était Squid Game. Vous êtes payée? Pas du tout, non. 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 Quelle escroquerie. Mais c'était pas payé. Mais après, tu le sais dans le contrat, hein, quand ils te donnent le contrat, quand tu signes les contrats, parce que t'as plein de trucs à signer. Enfin, je pense que j'ai signé une quinzaine de contrats. Et en gros, quand tu signes, ils te disent clairement que t'as des droits à l'image. Et tout est filmé, c'est-à-dire qu'il y a des toilettes, il y a des caméras. Ah, il y a des caméras partout. Bah oui, mais regarde. Non, mais il y a des centaines de caméras dans le dortoir. Mais à chaque lit, déjà, c'est des lits superposés. Donc, chaque lit, sur tous les côtés, il y a des caméras. Il y a des caméras dans les miroirs, il y a des caméras dans les toilettes, dans les douches. Mais ça veut dire que quand tu fais popo, tu sais que t'es filmé. Ouais. Ok. Ouais. Ah oui, mais c'est pas comme en France là-bas. Hein. Ah non, non, parce qu'en France, c'est interdit. Hein. Ah ouais? Ah bah oui. Filmé. Non, mais après ils diffusent pas par contre. Oui, non, mais ouais, je sais. Ouais, mais franchement, je sais pas si c'est vraiment légal dans l'Hexagone. Ah mais ouais, c'est, genre, tu fais pipi, tu fais caca, on filme tout. Bah, mais après tu prends l'habitude, parce qu'en fait, comme c'est des caméras fixes, et qu'il y en a partout, bah tu les calcules plus. Ouais, je pense. Ok. Ah. Et tu savais qu'ils allaient qu'ils auraient aimé que t'aies une petite histoire. Ouais, je suis au courant. Avec Brighton. Avec Brighton. En fait, moi, j'aimais bien deux joueurs. Donc il y avait le joueur 417 qui s'appelle Alex, et il y avait parfait. Et il y avait le joueur. Les plus moches. Ouais, c'était les plus beaux. Okay. Et il y avait Brighton, du coup, 432. Après, le truc, c'est que Brighton, il est très jeune, il avait 22 ans, moi, j'avais 26 ans. Et en général, moi, j'aime les mecs un peu plus âgés. Brighton, il était très... je l'adore, il a une personnalité incroyable, mais c'est vrai qu'il était plus... Enfin, je le trouvais un peu gamin par rapport à moi. Et, mais je sais que c'est le joueur vers lequel... après, c'est pas orienté, mais par exemple, en interview, si je parlais de 417 ou 432, on allait plus me parler de 432 que de 417. Ouais, donc, parce que 417, tu continues de le voir en dehors. Ouais, comment tu sais? J'ai pas d'oreillette, chérie. Pas dit. J'ai pas d'oreillette. Ouais, on continue. Ouais, on vous voyez où, du coup? Bah, à Londres. Bah, moi, je suis tout le temps à Londres. Donc, Bah, oui, bah, regarde, là. C'est vrai que t'as pas choisi le plus moche, ma chérie. Hein. Non, il est trop beau. Ah, ouais. Ensemble, hein. Mais, genre, vous êtes amis ou genre. On est amis plus plus. Un petit pécuniaire. Ouais. Après, moi, je voyage beaucoup, donc. Donc voilà, c'est compliqué d'être en couple. Ami plus plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des petits sentiments qui se développent, ou ça veut dire que vous avez déjà fait des petits trucs ensemble? Ah oui, on a déjà fait des... en sortant, justement, en fait, on est sortis au même jeu. Donc moi, je suis sortie, du coup, j'ai des cookies au triangle, et lui, il a eu le parapluie. Et en gros, quand tu sors, t'es à l'hôtel pendant 3-4 jours, le temps d'aller voir les psychologues, le temps de filmer les interviews d'après, etc. Et vu que c'était à Londres, du coup, on est resté aussi à Londres. Et donc vous êtes ensemble au moment où on parle? Non, on n'est pas en couple, mais par contre, je l'aime bien, il m'aime très bien aussi. Ok, mais tu penses qu'il y a un potentiel pour l'avenir?
Bah je sais pas, après moi je voyage beaucoup, j'ai pas vraiment envie d'être en couple, donc en vrai, tu sais moi je prends plus les choses comme elles viennent, je m'entends trop bien avec lui. Chani est vénère. Non mais moi j'aime pas mettre des noms sur les trucs, genre on est en couple, ou on est sex friend, on est si, enfin ouais, juste... Ouais, ouais voilà, on s'entend non, trop bien. Non c'est vrai je pense que les relations, mais je pense que les relations, elles fonctionnent plus quand on les enferme pas dans, ouais, genre, dans quelque chose. Et puis plus tu laisses la personne libre, moins elle a envie de liberté aussi. Ouais, mais exactement. C'est vrai que t'as fait exprès de perdre. Ouais, parce que. Ou tu dis ça parce que t'as le seum. Non, pas du. Bah non, moi j'ai le plus facile, j'ai le triangle. Je crois que quasiment tout le monde est passé. Ah, mais pour moi, tout aurait été très dur. Hein. Ah non, c'est trop facile le triangle. Ah bon, c'est vrai? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, bah là, je suis DJ. Donc, vraiment, installée. J'ai mixé dans plus de 15 pays, etc. Wow. Depuis janvier. Mais en janvier, quand j'ai fait l'émission, j'étais DJ depuis une semaine. Je venais tout juste de commencer, en fait. Et en gros, juste avant de rentrer dans l'émission, j'avais signé un deal, mon tout premier contrat international. Donc, c'était à Zanzibar, en Tanzanie. Oh. Et c'était avec. J'espère le droit de dire le nom des marques, mais Hennessy, c'est une marque du groupe LVMH, et c'était un gros contrat à 10 000 dollars, etc. D'accord, ouais. Ok. Et c'était un gros contrat à 10 000 dollars, etc. Du coup, c'était même pas tant pour l'argent, c'était plus parce que c'était vraiment expérience. La passion. Ouais, et puis c'était surtout ma première opportunité à l'international. Mmh. Et le truc, c'est que dans le jeu, en fait, il n'y a pas des jeux tous les jours. Il y a des jours où on est juste dans le dortoir, etc. Et en fait, j'avais mon premier événement, du coup, international, 2 jours après que j'ai perdu, 2 ou 3 jours après que j'ai perdu. Et si je restais dans le jeu, je l'aurais raté. Sauf que je savais pas si j'aurais pu rester dans le jeu et partir le jeu juste d'après. Donc j'avais pas envie de prendre le risque sachant que moi je suis vraiment pas rentrée pour les 4 056 000. Parce que... Bah pour moi, c'est du loto, en fait. Et en plus, c'est trop drôle parce que dans le groupe, on a un groupe avec les 200 personnes qui étaient dans le dortoir. Oh ouais, moi, j'aimerais payer. Tout le monde entier. Ah, c'est trop... Non, je les ai mis en mute. Ah ouais. Parce que, ouais. Bah ouais, j'étais très tout le temps. C'est déjà juste mais... Non, mais là, je pense que si j'ouvre le truc, il doit y avoir 1000 notifications. Mais de temps en temps, tu vois, j'y vais et tout. Et dans le groupe, c'est trop drôle parce que tout le monde dit Joy, ça doit être la seule qui n'est pas venue pour l'argent. Mais parce que pour de vrai, pour moi, c'est plus du loto. Pour gagner, non? Non, moi, je suis partie pour l'expérience. Je sais, c'est un truc de fou, tu vois. Et toi, tu sais qui c'est qui a gagné, sans rien nous dire, bien non, sûr. Non, je sais le top 5, du coup, mais je sais pas qui a gagné, parce que... Bah après, je pense que si je remonte dans le fil de la discussion, peut-être parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des gens qui sortent, ils rentrent dans le groupe WhatsApp. Donc forcément, la seule personne qui va dans le groupe WhatsApp, ça doit être... Et le gagnant touchera son argent un mois après la finale. Ah oui, parce que j'allais te dire, si un des candidats a déjà acheté une maison à 1 million d'euros, tu sais que c'est lui qui a gagné. Non, parce qu'en gros... Non. Pourquoi un mois après la finale? Bah, je sais pas, c'est comme ça. Enfin, dans le contrat, il y avait marqué que le gagnant toucherait son argent ça arrive, hein. Un mois après le dernier épisode. Ah ouais, tu les comptes les jours. Ah ouais, ouais, j'ai dit à ma sœur, tu dois être comme ça dans ton canapé, tu dois rien faire en ayant peur de te faire écraser par une voiture ou quoi que ce soit. C'est vrai. Ouais. Qui a regardé Squid Game, le défi? Mais j'ai regardé les 2 premiers. Mais tu sais que j'ai même pas regardé au final. Moi, j'ai vu les 6 premiers. Ok, Alex, t'as pas encore regardé du... Les 2 premiers, moi. Ah, les 2 premiers. Ouais, j'ai regardé les 2 premiers. Ok, donc il y a que toi qui n'as pas vraiment. Pas tout vu, moi. Ça te donne envie? Oui, ça me donne envie. Le premier épisode, à la base, non. Et puis en plus, en écoutant ton expérience et comment tu l'as vécu, encore plus. Après, moi, je suis un peu une flippée d'aventure et tout. Donc, justement, je pense que pour me projeter, ça serait compliqué. Mais je suis hyper admirative. Et du coup, j'ai envie de voir aussi un peu de complexité, un peu de... Voilà. Et puis, en plus, moi, ce que j'ai... Pardon, tu veux... Non, vas-y, ma petite Joy. Et puis, moi, ce que j'ai adoré, du coup, c'est que... En fait, ça paraît un peu utopique, mais c'est vrai. En fait, à l'intérieur, on a le droit à rien. On n'a pas le droit au maquillage, on n'a pas le droit... Enfin, on a une tenue large, donc on ne voit pas forcément nos corps. On n'a pas les téléphones, donc on ne sait pas qui est qui sur les réseaux. Tous à la même enceinte. Ouais, et j'ai adoré, en fait, parce qu'en fait, les gens, eh ben, ils se parlent, mais c'est vraiment réel. Ouais. Et je ne sais pas si ça se voit, parce que bah, du coup, moi, je n'ai pas encore vu les épisodes. Mais en tout cas, on est tous restés 200 personnes dans le groupe et on est tous restés hyper soudés parce qu'on a vraiment créé des vraies relations. Et il n'y a pas de... Ah, en fait, on s'en fout que tu aies 6 millions d'abonnés sur les réseaux, que tu sois une mère au foyer, que tu sois, peu importe en fait. Et on se parle tous à égalité. Et ça, tu crées des relations, mais incroyables. Et la personne la plus âgée, avec quel âge? 69 ans, il fêtait son anniversaire. Hein, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Alex, Aaron, Jinda. Juste pour rebondir sur l'intérêt en plus, est-ce que tout le monde te parle du danger? Parce que moi, c'est surtout ça aussi. J'ai la curiosité de l'aventure, mais ce que je trouve formidable dans ce programme, c'est qu'on a l'impression qu'on repousse les limites du danger. Et que c'est pour ça qu'il y a des candidats qui disent ouais, là, attention, la prod, elle nous a pas bien protégés, etc. Est-ce que vraiment, il y avait cette notion comme ça de se sentir en danger? Après. Ou est-ce que finalement c'est tellement cadré que tout ça reste de la poudre aux yeux du marketing et que non, c'est moi pour je trouve que ça a été hyper bien cadré et même en termes de la prise en charge après, enfin moi je sais que dès que tu sors t'es obligé de faire une session de psychologue, de thérapie, tout, même si t'as pas envie, parce qu'ils disent que c'est une expérience que tu vis qu'une fois, que quand t'en sors tu peux être un peu désorienté.
expérimenté. Et il y avait des joueurs, par exemple, qui étaient dégoûtés et qui voulaient juste aller dans leur chambre d'hôtel. Et en fait, ça fait vachement du bien parce qu'on est tous là avec le psychologue. Et après, là encore aujourd'hui, j'ai des psychologues qui, enfin, un, du coup, qui envoient des messages. Ils t'appellent aussi avant la diffusion pour te dire exactement ce qu'on va voir. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était hyper bien. Chani, je sens que tu as envie de réagir à cette histoire de psychologue. Ouais, je trouve que c'est super important et qu'on ne le fait pas assez dans les télé-réalités françaises. T'as pas été suivi ? Non, pas du tout. Pourtant, on te parle de psy souvent. On dit qu'il y a des psychologues avant dans chaque émission, etc. C'est mais faux. Ah, moi, j'ai jamais vu un psychologue de télé. Hein. Avant ah de rentrer ? Ah ouais ? Avant de rentrer dans mais les programmes. Mais pour la question ? Ah, si, tu vois, oui, si. Mais pas après. Oui, tu vois, un psychologue avant d'y aller, mais c'est... pas vraiment. Franchement, pas vraiment. Ça va dépendre du médecin. Ok. En toute honnêteté, mais j'ai dû en voir deux. Hein, et sur le tournage, même pas aussi ? Sur le tournage, il n'y avait pas un psy sur le tournage ? À dispo. Non. Ah bah il faudrait. Ou après. Ça, oui, c'est ouais, franchement c'est hyper important. Non. Parce que même avant, moi je sais que avant de rentrer, le psychologue c'est un vrai truc. Enfin c'est un entretien de 2 heures, il te pose des questions. Il est pas là pour faire ami-ami avec toi. Enfin c'est un vrai psychologue. Et pareil quand tu sors, bah ils sont là pendant tout le temps. Enfin moi j'ai trouvé mais ça c'est hyper important. Et même la production par exemple après le premier jeu, justement comme ils ont vu que c'était dur, normalement il y a personne qui rentre dans le dortoir à part les gardes pour nous donner à manger ou nous annoncer les jeux. Et là t'as toute l'équipe de production qui sont, enfin ils sont venus pour nous féliciter. Ils nous ont dit qu'ils savaient que ça avait été dur, que enfin ils étaient vraiment hyper derrière nous. Moi, j'ai trouvé ça... Bon, en tout cas, tu as donné envie à l'ensemble du chat de regarder Squid Game, le défi. C'est ce qu'on est en train de me communiquer. Beaucoup étaient réfractaires et grâce à ton discours, beaucoup ont changé d'avis. Ok, non, franchement, c'était une belle émission. Un dernier mot, Aaron, et on passe à ton freelance. Tu vas justement prendre la parole. J'ai une seule question que moi, en fait, je me pose encore aujourd'hui. C'est que vous êtes beaucoup de joueurs. Ouais. Du coup, on en voit très peu. Ouais. Mais tu t'es pas dit que je perds peut-être mon temps parce que tu as fait quoi, 2 épisodes ? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup ? De faire l'émission. Bah oui, parce que, surtout toi qui n'es pas venu pour l'argent finalement, mais peut-être plus pour l'expérience ou la visibilité. Passer d'un programme comme To Handle où t'es plus exposé, là en vrai tu passes inaperçu. Ouais, mais après en fait moi j'adore les trucs. Enfin, c'était même pas tant pour les images ou quoi, c'est plus pour. Parce que pour c'est pour les images, je parlais avec Bolton. Hein, tu vois, je savais déjà que ça se voyait déjà, il avait tout le temps des interviews, etc. Mais c'est plus pour. En fait, je trouve que To Handle, tu vas en vacances à Mykonos avec tes amis, tu peux le vivre en soi, tu vois, c'est juste que c'est pas filmé. Mais Squid Game, moi j'adore les émissions, c'est un truc que tu peux pas vivre dans ta vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Une émission de dating, en vrai, t'as juste à aller en vacances avec tes amis l'été et c'est à peu près ce qui se passe. Non, mais c'est la vérité, tu vois. Alors que là, c'est un truc, même si t'es multimillionnaire, comment tu vas vivre une aventure pareille ? Dormir avec 200 personnes, tu vois. L'horreur. Ah non, c'était trop bien, moi j'ai adoré. Ah, mais moi j'ai adoré. Et les gens qui pètent et les gens non, ceux qui ronflent. Ouais, mais après, moi j'ai le sommeil lourd, donc ça va, tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui ont pas supporté. Il y en a 2 qui sont partis, qui avaient réussi leur jeu des cookies et qui sont partis en même temps parce qu'ils aimaient pas la vie en communauté, mais moi j'ai adoré, franchement c'était une trop bonne expérience. Et ben en tout cas merci beaucoup Joy, je le répète, tu es la seule, j'aime bien dire ça hein. À chaque fois ça te fait rire Aaron. Je commence. Joy, la seule candidate française à avoir atteint le casting de Squid Game sur Netflix. Aaron, tiens regarde, je te l'offre sur un plateau d'argent. Ah, un buzzer rouge en plus. Ah, tu préfères quel? Bah le rouge c'est très bien. Espoir. Ah, y a pas le jingle? Bah, il faut buzzer. Ah, d'accord. Ah. Non, il y a aussi un bandeau, genre, up and down. Ok, bref. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pas pour les frites. Mais... Ça fait combien de temps que tu fais l'émission? Tu connais pas comment ça se passe? Bref. Elle est très codifiée, cette émission, Rod. Oui, c'est vrai. Normalement, il y a un bandeau, on retourne up and down. Oh, up and down. Bon, bref, voilà. Voilà. Et donc, aujourd'hui... Mais non, parce que non, ça marche pas. Parce qu'il faudrait un bandeau free up, free down. Ok, bon, bref. Voilà. Alors... Oh là là. Effectivement, donc, bon, bref, c'est pas très rigolo. Je vais appeler Hermano, attention. Hein. Non, s'il te plaît, Fréba. Je préfère encore Zatis. Alors... Hermano, on t'embrasse. Zatis aussi. Bien sûr, les deux. Donc bref, aujourd'hui en effet c'est un freedom parce que je vais vous parler de tout ce qui pèse aujourd'hui autour, enfin sur Sébastien Coé parce qu'en effet... L'accusation parce qu'en effet Sébastien Coé, donc animateur très populaire d'énergie, est dans la tourmente depuis 10-15 jours. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une jeune femme, donc prénommée Julie, âgée de 25 ans, qui accuse Sébastien Coé de l'avoir... à 2 reprises, une première fois lorsqu'elle avait 15 ans en 2014 et une seconde fois, en 2022 en Suisse. On va juste dire et préciser dès maintenant, dès le début, c'est très important, que Sébastien Coé bénéficie de la présomption d'innocence. Voilà, que tu es là pour nous expliquer, qu'on puisse comprendre tout ce qui se passe autour de ces accusations qui font grand bruit, mais qu'il bénéficie, quoi qu'il arrive, de la présomption d'innocence au moment où on fait cette émission.
Complètement. On n'est pas là pour le condamner, mais pour expliquer ce qui se passe. Parce que moi, je ne suis pas pour le procès médiatique. Il ne faut pas condamner les gens avant que justice ait fait son travail. Bref, donc, en effet, donc, cette jeune femme de 25 ans, appelée Julie, a porté plainte le 18 novembre auprès de la gendarmerie de Saint-Sébastien-sur-Saône. Et il faut savoir également que Julie, un mois avant, le 13 octobre, avait déjà, comment dire, mentionné Coé ou mentionné ce que Coé aurait pu lui faire subir. Elle avait dit sur Twitter, donc sur X, anciennement Twitter, « Tu m'as demandé de te faire une fella. » Et Coé, en fait, commençait à voir qu'il se tramait des choses, effectivement, bah, selon lui, pas vraies. Donc, il a tweeté dès le 17 novembre. Je peux vous lire son tweet. Ah, donc rapidement. Rapidement. En fait, même avant qu'elle porte plainte officiellement le 18 novembre. Et avant que ça fasse grand bruit, donc. Exactement, parce qu'en fait, ça faisait déjà un petit mois que Julie et d'autres femmes commençaient à expliquer ce qu'elles prétendent avoir vécu avec Coé. Et donc, lui, directement, le 17 novembre, il a tweeté « Je suis profondément choqué par les accusations portées contre moi ici. Ces allégations sont totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires. J'ai immédiatement déposé plainte. » Donc, on comprend là que Sébastien Coé a, dès le 17 novembre, déposé une première plainte. Plus tard, Julie a décidé de témoigner, donc elle a quitté Twitter pour parler publiquement, et on a pu écouter son témoignage sur TPMP le jeudi 23 novembre, et c'est à ce moment-là qu'elle a tout expliqué. En fait, Julie a expliqué qu'elle a rencontré Coé donc en 2014 dans le cadre d'un concours. Un concours qu'elle a remporté en fait sur Twitter, et ce concours aurait permis à des gagnants d'accompagner Coé à Disneyland Paris. Ils auraient été 12 gagnants. Et en fait, au fil de la journée, Coé aurait demandé à Julie de faire un manège avec elle. Donc bien sûr, Julie a ensemble, et donc Julie a accepté. Et à la suite de ce manège, Coé lui aurait dit tu as l'air d'une fille bien, qu'est-ce que tu fais dans la vie comme travail? Et donc Julie lui aurait répondu j'aimerais être animatrice radio. Coé a ensuite répondu « Ah bah c'est marrant, je me vois comme toi quand j'avais 15 ans ». Bref, les deux se seraient liés d'amitié comme ça. Julie aurait pris son numéro de téléphone et son Snapchat. Ils auraient gardé contact pendant plusieurs jours. Et à un moment donné, Sébastien Coé aurait proposé à Julie de venir à Genève pour lui faire écouter une maquette. Parce que Julie, je vous rappelle, voulait être animatrice radio. Julie propose à sa sœur et aux copains de sa sœur de l'accompagner à Genève. C'est ce qu'ils font. Ils se rencontrent du coup tous ensemble, commencent par prendre un verre. Dans la soirée, Sébastien Coé lui propose de lui faire écouter sa maquette et pour ce faire, aller dans sa chambre d'hôtel. À ce moment-là, la sœur de Julie et son petit copain seraient partis au casino et donc Julie aurait suivi Sébastien Coé à l'hôtel. Et c'est là que se seraient passés les faits. Et Julie a précisé les faits également sur BFM TV, il me semble, le 21 novembre. On peut écouter son témoignage, on en parle juste après. Je ne sais pas vraiment ce que j'attendais, mais j'étais complètement... je me suis dit, mais il va écouter ce que j'ai fait. Mon travail à moi, il va l'écouter. Je suis montée dans sa chambre et il me dit, assieds-toi dans le canapé, qu'est-ce que tu veux boire? Et il me dit, bah écoute, fais-moi écouter ta maquette radio, il n'y a pas de problème. Lui, il s'était mis à côté de moi. Donc on était sur le canapé. Donc il s'est mis à côté de moi et c'est à ce moment-là en fait où il a baissé son pantalon de vraiment quelques centimètres. Je dirais presque ici quoi. C'était pas en bas des jambes, c'était pas à mi-genou, c'était vraiment quelques centimètres ici. On pouvait apercevoir son caleçon, donc il a sorti, enfin je vais pas faire un dessin, il a absolument tout sorti. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, c'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses. Et je savais plus quoi faire. Et il m'a dit, si tu veux réussir dans la radio, il faut le faire. Donc moi, 15 ans, bah, c'est ce que j'ai exécuté. Et je l'ai fait, et ma sœur, elle a continué à m'appeler. Donc là, Julie a expliqué donc ce qu'elle prétend avoir vécu avec Sébastien Coé. Il faut savoir aussi que dès que Julie a pris la parole, d'autres femmes sur Twitter se seraient joints en fait à sa plainte en reconnaissant que effectivement Coé aurait eu un comportement humiliant, aurait eu avec ses équipes un comportement de forceur et de misogyne. Et aussi, il y a une autre femme qui se décrit comme une ancienne chargée d'accueil d'énergie qui accuse l'animateur de harcèlement et se dit avoir été virée après avoir dit non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, Julie, après sa prise de parole, aurait réussi à amasser d'autres témoignages et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle continue aussi à témoigner. Parce qu'au moment où on est en live, si je ne me trompe pas, il y a 3 plaintes. Aujourd'hui, contre l'animateur, c'est ça? Alors, en fait, aujourd'hui, il y a 2 plaintes. En fait, il y avait une plainte déposée par Julie. Et effectivement, depuis lundi ou mardi, il y aurait eu 2 plaintes faites par 2 autres plaignantes. J'ai demandé à Julie, que j'ai eu après au téléphone, j'en parlerai après. J'ai demandé à Julie, est-ce que tu sais quelles sont ces plaintes? Est-ce que tu connais ces femmes qui ont porté plainte? Elle ne le sait pas.
Voilà. Mais en effet, il y aurait eu aujourd'hui 3 plaintes. Est-ce qu'il y a une défense publique de Coé? Comment est-ce qu'il se positionne, lui ou son conseil? Oui, alors déjà, juste avant de parler de sa défense, il faut aussi quand même parler de Énergie. Parce que Énergie. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Parce qu'en fait, Énergie a décidé, d'un commun accord avec Coé, de le retirer de l'antenne. Comment on l'a su? Déjà avec un tweet de Sébastien Coé, donc le 22 novembre. Coé, il avait tweeté: je ne prendrai pas l'antenne aujourd'hui en accord avec Énergie. Et c'est seulement 30 minutes plus tard que, effectivement, le groupe Énergie a fait un communiqué pour expliquer que, également, ils avaient pris cette décision parce qu'elle était guidée par la nécessité de garantir la sérénité des démarches judiciaires. Et elle dit aussi qu'aucun fait contraire à sa charte ethnique ne lui a été signalé, mais qu'elle a ordonné une enquête interne. Sa charte éthique. Éthique, pardon, oui. Parce qu'en effet, le groupe Océan Énergie a, dès le 17 novembre, commencé une enquête interne. Bref, et il faut savoir que sur ce même tweet, donc du 22 novembre, Coé a affirmé son innocence en disant, je vous cite, « J'ai la preuve de mon innocence, je me battrai ». Et donc, en effet, Coé a réagi et donc il a porté plainte de son côté. Pour dénonciation calomnieuse. Exactement. Je crois. Et comme... il dit qu'il a tous les éléments, si je ne me trompe pas, en sa possession, qu'il souhaite donner au juge, mais il ne répond pas publiquement à ces accusations. Oui, alors effectivement, il n'a pas répondu, lui, publiquement. En revanche, on a eu l'info du dépôt de plainte par ses avocats qui ont fait un communiqué et qui ont expliqué ce dépôt de plainte. Je vous cite... Donc, dans ce communiqué qu'on peut voir aussi à l'écran, donc diffusé le 27 novembre, ses avocats donc, indiquent que cette plainte a été déposée auprès du parquet de Nanterre pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usage contre personnes non dénommées. Pour poursuivre en disant, cette démarche judiciaire souligne la gravité de la situation et répond à la calomnie orchestrée pour gravement porter atteinte à l'honneur et à la réputation de notre client avec un but financier dissimulé, donc ajoute Maître Xavier Autain et Simon Clémenceau. Oui, il parle d'extorsion de fonds en bande organisée. Oui, parce que je pense que là, en fait, ils font référence à tous les autres témoignages qui sont en train de sortir autour de Sébastien Coé et à ce groupe de femmes qui serait en train de se former et qui dénoncerait également les Jinda. Et sur TPMP, il y a Gilles Verdez aussi qui expliquait que cette histoire d'extorsion, ce serait aussi parce que ce qu'il a entendu, c'est que Julie aurait demandé combien est-ce qu'elle pourrait toucher comme somme d'argent par rapport à cette histoire. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il y a... Après, dans les affaires comme ça, c'est toujours très, très, très délicat. Parce que la vérité, on ne sait jamais véritablement où elle est. Une partie affirme sa vérité. L'autre, c'est souvent d'ailleurs ce qui se passe face à ce cas de figure. Souvent, c'est l'attaque en diffamation ou alors en dénonciation calomnieuse. Oui. C'est un petit peu la même chose. Donc, en tant que public, on se sent complètement perdu. Totalement. On se sent complètement brouillé. On n'a plus de grille de lecture. On ne sait pas à quel saint se vouer. On ne sait pas qui croire, que croire. On a tendance à écouter un petit peu le tribunal médiatique, le tribunal aussi des réseaux sociaux, parce qu'on dit souvent le tribunal médiatique, donc les médias, les professionnels, mais souvent sur les réseaux sociaux, c'est pire. Ce qui se dit parce qu'on a un sentiment d'impunité, un sentiment qu'on peut tout dire, tout exprimer, sans avoir le savoir-faire nécessaire, etc., ou sans mener de véritable enquête. Donc c'est une situation qui est très compliqué, ouais, très difficile, ouais. Même en tant qu'émission, je trouve, à mettre sur la table. Oui, mais on a tout de suite envie de se positionner auprès de la présumée victime. C'est humain. C'est humain. Si une femme se dit, si une femme ou un homme, peu importe, dit qu'elle a subi des agressions, et qui plus est, en plus des agressions, elle, eh ben, on a tendance à vouloir la croire, et je trouve que c'est totalement légitime. Après, moi, dans ce pays, il y a des choses que je ne comprendrai jamais. Tu vois, là, par exemple, Énergie, tout de suite, ils se sont placés. Ils ont dit, bah, écoutez, on l'écarte de l'antenne, même si c'est d'un commun accord, mais je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui est plus d'accord que l'autre, on va pas se mentir. Mais d'un commun accord, OK, quand je vois que d'autres animateurs télé sont dans des grosses sauces, dans des grosses polémiques, ils ont été jugés, enfin, c'est passé au tribunal, etc., et qui sont toujours à l'antenne, je comprends pas ce pays. Pardon, je suis désolée, mais j'arrive pas à comprendre que certaines personnes sont accusées de choses quand même assez graves sur des jeunes mineurs, etc., et ils sont encore à l'antenne, et là, on parle de procès médiatique, bah, allô, quoi, enfin, je comprends pas. Et après, on va accueillir Émilie Amar, qui est connectée, qui a un témoignage, elle souhaite témoigner. Je suis d'accord avec toi, Nina. Et en plus, c'est vrai que là, pour le coup, Énergie, quand même, je pense, a plus pensé à son image et a préféré prendre position, en tout cas, contre Coé en le débranchant de son antenne. Juste, donc j'ai aussi. Certaines chaînes devraient faire pareil. Et ben, je suis d'accord avec toi. Oui.
Et parce que surtout, tu peux pas ignorer, surtout. Exactement. C'est qu'on en a tellement parlé qu'à un moment donné, c'est vrai, comme dit Jinda, on est obligé d'attendre une réaction, du moins une prise de position, parce qu'on peut pas faire comme si c'était pas sorti. C'est trop tard, c'est sorti. Dans un monde idéal, on aimerait des enquêtes internes, on aimerait que ça se passe sans que ce soit divulgué, qu'il y ait une condamnation, et après qu'il y ait des sanctions qui soient cohérentes. Malheureusement, comme on le dit ici sur ce plateau, en France, ça se passe pas comme ça. On balance dans la cage au lion. On voit ce qui se passe, on voit les pour, on voit les contre, on se déchaîne. C'est souvent, il y a des vies derrière, quoi qu'il arrive, que ce soit la victime ou celui qui est accusé. Et après... Et les entourages. Ça fait beaucoup de dégâts, puis ça redisparaît. Exactement. C'est fini. Au suivant. Sauf que ça laisse des dégâts derrière. Pardon. Et juste, en fait, c'est parti en fait, d'un compte Twitter qui a posé une question, à savoir qui a déjà eu une expérience comme ça avec une personnalité. Et c'est là où Julie, en fait, a témoigné. Exactement. Et ça a fait un effet un peu, enfin, un gros effet sur les réseaux sociaux. Et en fait, au départ, c'était un peu tranquille. Et comme il y a d'autres femmes qui se sont rajoutées, et ben là, ça fait effet boule de neige, quoi. Effectivement, au départ, en fait, elle est passée par un autre compte Twitter aussi pour faire entendre sa voix. Et effectivement, dans un contexte beaucoup plus chill, entre guillemets. Et c'est une fois qu'elle s'est rendue compte, en postant aussi ses échanges avec Koé, donc ses échanges privés sur Twitter avec Koé, que d'autres femmes l'ont dit « Ah, bah moi aussi, j'ai vécu comme toi, etc. Voilà. » De son côté, il semblerait que sa défense, ce serait des faux messages. C'est ce que j'ai lu ce matin. Comment ça ? Ce serait des faux messages, des faux SMS, dit ça ? Ouais, des fausses discussions. C'est ce que j'ai lu ce matin en préparant l'émission. Ouais, parce qu'en fait, elle a l'air de parler un petit peu toute seule en fait dans les messages où on verrait beaucoup de messages de Koé, soi-disant, mais pas de réponse de sa part. Et on, voilà, je ne sais plus les horaires exacts, mais genre, il parlerait de 16h à 23h tout seul. Donc, on laisse sous-entendre que peut-être elle aurait supprimé des messages et que donc, cette histoire, elle est très complexe. Je vous propose d'accueillir tout de suite Émilie Amar. Émilie, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends, bonsoir. Merci de t'être connectée à l'émission 157 d'Aja. Émilie, juste parce qu'il y a les questions dans le chat, pourquoi tu ne te montres pas en vidéo ? Je préfère te la poser parce que sinon, on va me le dire trois fois dans l'oreillette. Parce que j'ai un bouton de chèvre qui est vraiment ça horrible. Arrive. Ça arrive. Bon, non, mais alors, là, il s'est transformé. Émilie, beaucoup en doivent croûte. Se demander aussi pourquoi tu souhaites réagir à cette actualité. Émilie, tu as travaillé, toi, avec Koé, bien avant que tu sois dans Les Anges, bien avant que tu participes à des téléréalités, notamment sur Énergie 12. Tu as travaillé avec Koé. Tu avais quel âge ? C'était quand ? Comment ? Pourquoi ? Alors, j'avais 18 ans, puisque je venais d'obtenir mon bac. Et voilà, c'était l'un de mes premiers jobs. Et c'était pour l'émission « Chérie, t'es le meilleur » sur Énergie 12. Voilà, j'avais été contactée par mail à l'époque et je servais de figurante dans le but de donner du glamour à l'émission. Et quel était ton rôle ? En maillot de bain. Quel était ton rôle exactement ? Potiche en maillot de bain, voilà, juste ça. Vous étiez plusieurs à avoir ce rôle-là ? On était moins de 10, hein, je pense, maximum 10. Donc toi, tu l'as côtoyé professionnellement dans le cadre de cette émission « Chérie, t'es le meilleur » pendant combien de temps, l'animateur Koé ? Le temps de 45 émissions, il me semble, donc... Je sais plus, deux mois peut-être, je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus, mais voilà, le temps de 45 émissions. Oui, parce qu'on avait fait, je me souviens à l'époque, c'était en 2017, une interview ensemble. Voilà. Et tu m'avais expliqué, que vous, selon ton témoignage, selon tes dires déjà à l'époque, en 2017, vous vous seriez vu en dehors du travail également, c'est ça ? Parce que c'est ressorti. Voilà. Exactement. Ben, au départ, il s'agissait seulement de compliments au travail, hein, de remarques un peu déplacées, mais rien de plus. Bon, c'était un peu limite parfois. Puis très vite, il m'a demandé mon numéro de téléphone, il m'a proposé de manger au restaurant, chose que j'ai refusée. Et en fait, son bras droit, qui s'appelait Jeff à l'époque, m'a demandé... d'au moins l'accompagner à un concert. Donc, il voulait que j'accompagne Koé à un concert. Donc, c'était le concert d'Indochine à l'époque. Et j'avais jamais été au Stade de France. Enfin, moi, c'était ma toute première fois à Paris.
Donc j'ai accepté, et surtout j'ai accepté, je pense, parce que à ce moment-là, on échangeait déjà par message, lui et moi, et qu'il y avait une relation de pouvoir, hein, puisqu'il me faisait comprendre que je pouvais rester plus longtemps si j'allais un peu dans son sens. Donc on échangeait. C'est-à-dire, parce qu'il faut être précis sur les mots, il faisait comprendre ou elle me faisait comprendre, ça manque de précision. C'est pas que je remets en doute ce que tu dis, mais c'est que j'ai besoin de savoir comment toi tu l'as perçu pour qu'on puisse tenter de se mettre à ta place. Alors moi, je veux pas dire de bêtises parce que ça remonte à plus de 7 ans, il me semble. Et tu m'entends ? Oui, je te disais surtout pas de bêtises, essaie d'être le plus précise et factuelle possible, s'il te plaît. Alors moi, il me demandait des nudes à l'époque. Quoi ? Voilà. Et c'était fait d'une manière où j'étais pas à l'aise avec ça. J'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et je sais que c'est pas de ma nature d'envoyer ce type de contenu. Après, je peux pas te dire exactement la teneur des messages puisque ça remonte et que je sais pas. Mais c'est facilement traçable. Hein. S'il devait y avoir une enquête, on verrait tout de suite. Mais voilà, je sais que je faisais parce que j'avais peur de perdre ma place. C'est-à-dire à ce moment-là. Mais en tout cas, j'avais pas accepté de manger au restaurant avec lui. Je le disais toujours sur le ton de l'humour. Puis les filles, il avait cette relation particulière avec tout le monde, en fait, avec toutes les filles. Donc je sais qu'il y en avait qui acceptaient, qui partaient avec lui, qui rentraient avec lui. Je me souviens même qu'il avait une moto à l'époque, il avait une voiture de sport, là, RS4, enfin, je ne sais plus quoi, comme voiture. Et toi, tu en as envoyé et voilà. Tu en as envoyé, toi, Émilie, des photos, des nudes ? Ben, pour être honnête, oui. Oui, à cette époque-là, oui. Personne vraiment, juge, ouais. Hein. Mmh. Vraiment, personne oui, juge. Oui, oui, oui. Personne j'en juge. J'en ai envoyé. Est-ce que tu penses qu'il pouvait se douter que tu n'avais pas forcément envie de le faire ou il ne pouvait pas se douter parce que tu n'osais pas le verbaliser ? Ben, je pense qu'il avait compris que j'étais pas suffisamment construite pour lui dire non. Et que, en fait, quand il s'agissait de manger au restaurant avec lui, il voyait que, enfin, moi, j'utilisais une collègue à moi, une copine à moi, à ce moment-là, pour rigoler avec lui, lui dire, je remettais toujours ça à plus tard, en fait. Je lui disais pas non directement, donc, il sentait que je me rattrapais par les messages. Je pense qu'il savait que puisque je lui donnais pas ça, eh ben j'allais lui donner autre chose. Donc oui, je pense qu'il était suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il faisait. Et qu'est-ce qui s'est passé donc, et donc il m'a amené au concert d'Indochine à l'époque. Et il a fait semblant de ne plus savoir où il était garé. Pour me commencer à, il m'a pas touché, il a pas été lourd, il faisait des remarques, bon il avait envie, je voyais qu'il avait envie, il me disait je sais plus de quelle manière, mais quand il a vu que j'étais pas réceptive, il m'a laissé au bord de la route quand on est parti, hein. Il m'a laissé au bord de la route et il m'a commandé un taxi. Parce qu'en fait, il voulait me ramener dans une maison de campagne, parce qu'apparemment, il avait une maison de campagne à côté de Paris. Et il a vu que je n'ai pas accepté ni son rapprochement, ni ses avances. Et voilà, ça s'est terminé comme ça et on ne s'est plus jamais reparlé. Et même au boulot, c'était un peu tendu. C'est ce que tu racontais dans l'interview qu'on avait faite à l'époque, je ne me souvenais même pas des propos, c'était en 2016 ou 2017. Et donc par la suite, tu as continué d'enregistrer des émissions, Chérie, t'es le meilleur, c'est ça ? Exactement, j'ai continué parce que je m'entendais très bien avec la production, donc je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu choquée de me retrouver en pleine nuit, à pleine Saint-Denis, comme ça, je ne sais plus quelle heure il était, vers 1h du matin, toute seule, à attendre un taxi. Bon, il a été correct quand même, puisqu'il a pris la peine de m'appeler un taxi. Mais c'est vrai qu'il devait me ramener et que ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Et qu'il s'est montré... Il s'était quand même montré un peu insistant, mais il n'y a pas eu de... Il n'a pas cherché non plus à me toucher, quoi. C'est, voilà, c'était juste des... C'était ambigu dans ce qu'il disait, mais...
Voilà, j'ai pas envie de tirer non plus sur lui, parce que je pense qu'il est dans une situation un peu compliquée. Mais voilà, moi en tout cas, mon expérience, c'est celle-ci. Et c'est vrai, alors ça, tu me l'as dit au téléphone, je crois. C'est, suite à cette interview dans laquelle tu avais expliqué ça, je crois que c'était en 2016 ou en 2017, tu m'as dit qu'il avait annoncé à la radio qu'il allait te poursuivre en justice. Ça, j'en ai pas le souvenir. Exactement, moi j'avais entendu ça, sauf que j'ai rien eu. Mais tu l'avais entendu de sa part le dire ou c'est des gens qui t'ont rapporté qu'il l'aurait dit ça? Non, je crois que c'est lui qui l'a dit à la radio. Il l'avait dit à la radio, mais j'ai absolument rien eu, puis j'avais pas du tout peur parce que c'est tellement retraçable. Tu veux dire les messages? De contenu que. Bah oui, les messages, bien sûr, et puis. Enfin, si aujourd'hui ça sortait, je pense qu'il serait dans une situation plus qu'embarrassante. Parce qu'il y avait quand même... Enfin, on parle d'une relation de pouvoir, là, à ce moment-là. C'est pour ça qu'il savait très bien qu'il n'allait pas au bout. Hein. Il n'aurait jamais été au bout de ça, quoi. Parce que... Bon, je te remercie. C'est facilement traçable. On te remercie, Émilie, pour ce témoignage. On rappelle que c'est ton témoignage, que tu nous expliques ce que tu avais relaté dans une interview qui date de 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement. C'est ton témoignage, c'est ton expérience, c'est ta vérité, elle t'appartient. Et on rappelle surtout, c'est très important, que Sébastien Coé, et tout le monde le sait, il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc on peut écouter, on peut vouloir chercher. Je pense que c'est important de parler, mais aussi d'entendre les deux parties, les différentes parties. Par contre, c'est pas notre rôle de juger. Ça, c'est certain que ce sera jugé dans un tribunal et on pourra bien évidemment vous en dire plus quand il y aura plus d'informations officielles qui sortiront. Merci, Émilie. T'en prie, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et mets un petit peu de crème sur le bouton. Merci beaucoup. Je trouve ça super bien ce que tu as dit quand tu as dit on te juge pas, parce que c'est vrai que dans les histoires comme ça, souvent, les victimes, elles osent pas forcément parler parce qu'on peut dire oui, mais pourquoi elle a envoyé des nids? Alors pourquoi elle est allée à l'hôtel pour regarder la maquette ou ce genre de choses? Alors qu'au final, on connaît pas le contexte. Des fois, il y a une pression. Des fois, sur le moment, la personne, elle ne sait pas comment dire non. Et du coup, c'est super important de pas juger, je trouve. Merci. En fait, le gros souci, c'est le lien de subordination. Exactement. C'est ça qui pose souci. C'est qu'après, un homme peut être sous le charme d'une femme, faire une proposition, ça reste un rageux. S'il appelle un taxi et qu'il la ramène pas, j'ai envie de dire, c'est un comportement... on en voit plein. Oui. Dans la vie de tous les jours, c'est malotru, c'est... C'est un peu goujat. C'est goujat, voilà. Mais là, le vrai souci... Mais c'est pas un délit. C'est la pression, c'est le lien de subordination et c'est le contexte, encore une fois, du travail, de la peur d'avoir de perdre son travail. Et oui, une forme d'accumulation, peut-être de demande. C'est vrai qu'une fois, mais s'il y a une insistance, etc., c'est ça, c'est forceur. C'est ça qui crée vraiment le souci et le doute dans ces histoires. Ouais. Après, moi, je trouve juste qu'il faut. Enfin, on a toujours. Enfin, moi, par exemple, d'entrée, je me range entre guillemets. Enfin, après, il n'y a pas de côté. Il est présumé innocent, mais c'est vrai qu'on a envie quand même de croire la victime, parce que déjà, le pourcentage de femmes qui mentent ou de personnes qui mentent dans ces cas-là, il est minime. 1%. Donc ouais, voilà, il est juste minime. Donc il y a beaucoup de gens qui crient au mensonge souvent en disant que oui, c'est toujours parce que c'est des personnalités connues, etc. Mais déjà, ça revient souvent parce que forcément, c'est des milieux où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pouvoir, et donc forcément, il y a beaucoup ce genre de situation. Parce que c'est pas forcément des personnes qui ont l'habitude qu'on leur dise non, donc c'est pour ça que ça revient souvent avec des personnes connues et en général qui ont beaucoup d'argent. Mais par contre aussi, je trouve qu'il faut faire attention parce que de nos jours, il y a ce truc de cancel culture où dès que quelqu'un qui est accusé, automatiquement il est jugé sur les réseaux avant même d'être jugé dans un tribunal. Et ça, je trouve qu'il faut faire super attention parce qu'il y a plein de personnes qui, là, je sais pas dans la situation, mais encore une fois, c'est vrai que j'ai tendance à croire les victimes, mais qui vont se faire en fait démonter et au final qui sont jugés non coupables et leur vie elle est détruite. Donc il faut faire attention. Un petit mot peut-être par rapport à une déclaration de Cécile de Minibus. Et après, je suis désolé, on va devoir conclure. Alors, je peux juste retranscrire une réponse de Julie, parce que ça, d'ailleurs, on a parlé avec Zinda, par rapport au fait qu'effectivement, elle aurait porté plainte pour avoir de l'argent. Je lui ai posé la question. Je pense que c'est important de dire sa réponse, parce qu'elle m'a répondu, non, son argent, je n'en veux pas. Et même s'il y avait de l'argent, je l'assure que cet argent partirait dans les associations. Et il y a beaucoup trop de femmes qui ne disent rien, car elles n'ont pas l'argent pour le faire. Voilà, juste aussi pour peut-être clarifier ça. Et par rapport à ces minibus, en fait, c'est juste un fait vraiment annexe de l'histoire, c'est qu'il y a une séquence qui est ressortie effectivement dans l'émission qui a été avec Coé et Rocco Siffredi, et Rocco Siffredi avait simulé une scène d'acte, enfin de rapport.
Avec Céline Benibus, c'est une scène qui aujourd'hui est très violente à regarder et Coé aurait reproché à Cécile après en interne d'en parler ou de s'en plaindre. Voilà, c'était okay. Juste ça. Et Jinda, qu'est-ce que tu voulais dire ? Mesdemoiselles ou les garçons hein, d'ailleurs, c'est pas que les jeunes filles, vous n'êtes pas obligées en fait de vous soumettre à des demandes comme ça. Si vous voulez réussir dans ce milieu ou dans un autre travail, d'ailleurs, c'est pas que dans l'audiovisuel. Là, tu parles en général. Oui, en général, ne rentrez pas là-dedans. Voilà, on voit après où ça mène. Au contraire, dénoncez-les tout de suite. N'attendez pas. Ça veut dire que si vous estimez que c'est de l'acharnement, tout ce que vous voulez, une fois, deux fois, trois fois, c'est trop déjà. J'avais déjà raconté ça d'ailleurs sur un JA aussi où un animateur télé m'avait demandé des photos un peu olé olé et en fait voilà, je demandais juste un peu de travail et ça part un peu en cacahuète et quand tu dis non, ça s'arrête, donc dites non et voilà, c'est tout. Bah merci Aaron pour ce free down, merci pour ce discours. Et ben on va se remonter le moral, ouais, on va passer à une nouvelle séquence avant d'accueillir Seta. C'est une séquence qui est pour toi Shani, ça s'appelle La Cocotte. Bah oui, La Cocotte, elle a été créée spécialement pour toi. Je sais pas si ça va être un fiasco, notre idée au bureau, ou alors si ça va être un succès. Si ça marche, on le refera. Ça marche pas, bah on le refera pas. Ouais. Mais vous vous souvenez, c'est comme dans Squid Game, c'est les jeux d'enfance. Et bah nous aussi. Que je gagne pas 450 milliards. Non, il n'y a pas 4,56 millions de dollars à gagner. Mais on s'est inspiré, voilà, de nos invités. On a les jeux d'enfance avec Joy qui a participé à Squid Game. Et Shani, ça va être l'occasion de me donner un chiffre pour tomber sur une couleur. Tu choisis la couleur, je tombe sur une thématique et je te pose la question correspondante. Ah, c'est trop bien. Ok, donc là, je te donne un chiffre. Ouais, tu me donnes un chiffre entre 1 et 10. Et attention, vous allez voir, les cocottes arrivent. 4. Hein ? 4. 4, on lance la cocotte. 1, 2, 3. J'en peux plus de ces gens. Il a choisi une couleur. Ok. Qui a jamais eu cette idée ? Si, mais... Tu choisis quelle couleur ? Le vert. Tu choisis le vert. Alors, le vert. Il est pas content. Il est pas content. On est sur amour. Ah. Ça va ? Ah oui, ça dépend. Bon. Je connais pas tes questions. Moi. Alors, Shani. Ouais. Tu nous as habitués sur les écrans de télévision à te voir en couple ou alors fricoter avec certains garçons. D'ailleurs, tu as des confidences très importantes qui seront dans ton interview en toute intimité en lien avec ça. Vous verrez. Ouais, non, mais c'est vrai. T'en avais sur le cœur et alors elle m'a dit quelque chose que je ne me doutais pas un seul instant. Mais pour le coup, depuis plusieurs mois maintenant, tu t'es un petit peu affiché sur tes réseaux sociaux en couple avec une femme. Voilà. Je voulais savoir si tu avais toujours su que tu étais autant attirée par les hommes que par les femmes, ou alors est-ce que c'est la première fois que tu tombes amoureuse d'une femme ? Ah, j'étais pas au courant. Je me suis surprise moi-même parce que non, je savais pas que j'étais attirée par les femmes. Ouais, elle s'appelle Manon. Elle s'appelle Manon. Ça fait un an que vous êtes ensemble. Ça fait un an qu'on est ensemble. Et c'est une relation sérieuse ? Ouais, c'est une relation sérieuse. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, Manon ? Elle m'apporte. Beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. Je suis bien, je sais pas comment... Tu sais, il y a des choses comme ça que j'arrive pas vraiment à verbaliser parce que c'est plus dans le ressenti que dans les mots. Tu vois, je sais pas, ouais. Et t'as déclaré sur tes réseaux sociaux, ça fait 6 mois donc que je suis en couple avec une meuf alors que j'ai toujours cru que j'étais hétéro toute ma vie. Oui, c'est vraiment... Bah, tu sais, je pense que... En tout cas, moi, je me suis jamais... j'ai jamais remis vraiment mon orientation en question parce que bah, naturellement j'allais vers les hommes et c'était des relations désastreuses, mais je pense pas que c'est parce que tu vois j'aime bien les filles aussi. Je pense juste que c'est parce que c'est moi et mon rapport aux garçons et je m'attendais pas du tout à ce que je puisse je m'attendais pas à ce que je puisse un jour en tout cas avoir une relation sur le long terme avec une fille, tu vois. Donc ça t'est tombé dessus, ça comme m'est ça tombé dessus du jour au lendemain. Ouais. Et c'est un gros chamboulement quand même, parce que... Il y a une différence entre les deux ? C'est au bout de 23... Ah bah oui. Je te parle pas de... Non, mais même... Intime, mais même je te parle des sourires et tout, je parle pas de relations intimes. Non, mais moi non plus. Moi, j'ai... Enfin, j'ai jamais été... je me suis jamais autant sentie comprise qu'en étant avec une fille, tu vois. Et pour des choses très futiles, très simples, j'ai l'impression que... Et puis c'est plus doux, c'est plus...
c'est ça t'écoute quand tu parles, c'est pas là à boire de la bière. Non mais pardon, c'est stéréotypé. Non mais après ça dépend, faut pas non plus faire de généralité. Bah, non, il y en a, elles sont pas douces, il y en a, elles boivent de la bière. Ouais, c'est mon expérience et je fais pas de généralité, mais c'est un fait quoi. C'est différent les garçons, on n'est pas pareil, hein, les hommes et les femmes, tu vois, on a rien à voir. Je te souhaite pas de ne plus être avec elle, mais est-ce que tu te vois à nouveau être avec un homme ou... Oui. Enfin, je me vois pas. En fait, et c'est, on en parle souvent. C'est que je sais pas si je me remettrai avec, pour de nombreuses raisons, avec une femme si c'est pas elle en fait. Tu vois, je me verrais pas genre avec une autre fille parce que c'est elle, c'est vraiment c'est elle, ouais, personne en particulier. Ouais. Franchement, et puis c'est relou les meufs. Hein. C'est possessif, c'est très jaloux. Tu parles de toi. Ouais, non, ouais. Je lance mon jeu, alors. Merci, Chani. On enchaîne avec la cocotte. En tout cas, merci pour ton honnêteté. Hein. Ouais. Ah, bah, y a pas de quoi. Un chiffre. 2. 1, 2. Ok, bah, dis donc, tu tombes toujours sur le même combo, deux toi. Couleurs, pourquoi j'ai... Parce que t'as dit 2. Ok, ah, c'est bah, voilà. Un chiffre impair. Voilà. Ah, ok. Allez, ah, d'accord. Okay. Rouge. Amour. Musique. Ah, oh là là. Ah, oh bah nous, on n'est pas cohérents. Voilà. Musique. Alors, sur tes réseaux sociaux, tu chantes énormément. T'as un talent caché. Je chante pas énormément. Non, mais tu chantes bien. Si, tu chantes. Tu chantes grave bien. Arrête. Tu chantes grave bien. Et moi, il y a une chanson que tu chantes sur tes réseaux que j'adore. Et j'espère que tu vas me faire l'honneur de pouvoir la fredonner. C'est pas Britney Spears? Non. Ah, merci. Non, c'est Riptide de Vance Joy. Mais non mais je vais le tenter. Je vais le tenter. Mais je t'avoue que attends, on ferme les yeux. En fait le truc non c'est pas ça, c'est que le truc c'est que quand je suis très stressée, ma voix elle ressemble pas à ma voix quand t'es pas stressée. Je fumais du CBD. Pardon, c'est une blague nulle. J'essaye, ok. Allez. Mais bon si je suis stressée, je suis stressée. Okay. Justifie pas, on est une safe place. Mais non mais ce serait bien de chanter bien quand tu enfin tu vois. Bon bref. Je chante avec toi si tu veux. Oula. Non, vas-y, je te laisse. J'ai peur, je suis en taquicardie. Je vais simuler un malaise, je vais me barrer. Mais non. c'est quoi déjà Ok. 3. Non, pas ça. Allez, mais on ferme tous les yeux. Allez, on la regarde pas. Personne regarde Chani. On y va. Mais ça va être horrible en plus. Mais non. Non, attendez, j'ai peur. I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls in starting conversation. Oh, my friend, I turning green. C'est une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe. Wow. T'as à capé, là. Bah, je peux faire le refrain. C'est dommage de ne pas t'avoir permis de montrer ça dans Les Anges. Mais il voulait pas. Ah bon? Ben non, en fait, je passais, tu sais, souvent, à chaque fois dans les télés, je chante tout le temps et on me dit c'est insupportable, en fait, on te... Mute. On te mute. Ah ouais. Tu veux faire le refrain? Non. Allez ouais. Et on finit la chanson, la cocotte. Ok. Allez. C'est gentil, mais en même temps, je sais pas si c'est... Ok, ça va bien se passer. Tu nous connais pas, mais t'inquiète, ils nous diraient rien. Oui. On a eu Morgan Makeup et t'inquiète, on a... Regarde, je l'aime trop. Tu sais que je suis vraiment... Allez, c'est bon. Je suis pas trop... Et moi, quand je chante, elle me complimente pas non plus. Hein. T'as vu Sam, voilà, tu vois. Tu vois, moi, j'ai un peu d'espoir. Mais je comprends pas, ma mère a dit qu'elle a les poils qui s'hérissent quand c'est je chante. C'est ta maman, c'est normal. Garde-la. T'as toujours 5 ans pour ta mère, c'est normal. Ok. C'est... Attends. On a fermé les yeux? Ouais, non. Ça y est maintenant. Ça y est, mais oui. Je vais chier. Pardon, mais j'ai raté. C'est pas joli. Ah, dans ce sens-là, c'est un dégoût. Allez. Je pense que c'est bien la première fois. Je te vois. On se cache. Pardon. Lady running down to the... C'est moche. Non. C'est incroyable. J'adore. Insupportable. Lay there, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing that song, and I'm gonna lost in my throat, cause you're gonna think the world is wrong. Ok. Bravo. Non, arrête. Pour moi,
Le chat adore. Le chat adore. Arrête de douter de toi. Dis le chat. Mais le... Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je comprends pourquoi t'adores Morgane. Du coup, il y a des gens qui... Ah, bah, putain, mais pour une fois qu'on m'adore. Non, mais on peut dire... C'est une nana... Je pensais que j'étais la pire... Mais en fait, elle est pire que moi. C'est-à-dire qu'elle ne s'aime pas, elle se trouve moche. Tout à l'heure, en loge maquillage, mais non, mais je suis pas assez, machin. Alors que c'est une bombe atomique. Non, je sais pas chanter, alors qu'elle chante divinement bien. T'as tout pour plaire. T'es magnifique, t'es belle, tu chantes bien. Arrête de nous saouler, là. Tu chantes aussi, Joy. Ah ouais? Ah ouais, non, je mixe. Allez, tu chantes pas? Non. T'adores chanter. On va faire des feats, par contre. Non, mais je suis DJ. Ah oui, bah oui, je sais. Ah bah, j'ai pas de platine. Hein. Je suis désolée. Ah, dommage, moi j'aime trop, je l'aurais fait par moi. Je suis désolée. Merci. Merci, Chani. Ouais, j'adore. Non, franchement, cette tête. Arrêtez-vous. Non, mais je t'aurais dit, c'est non, mais arrête, tu m'aurais dit quoi, c'est dégueulasse. Mais par contre, moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi. C'est voilà, est-ce que vous avez aimé la cocotte? Si vous avez aimé la cocotte, il faut être indulgent, c'est la première fois qu'on le fait. Mais c'est moi qui l'ai. Jindal elle dit rien, c'est qu'elle aime pas, j'ai compris. Ah ouais? Bah ouais, moi j'aime bien les poux, j'aime bien la cocotte. Voilà, n'en mangez pas. Et on va. Si? Non, et on passe en transition. Avec de la mayonnaise. Le chat adore la cocotte. Arrête, Chinda. On va passer tout de suite à l'actu livre. Et vous allez voir que c'est un sujet très sérieux, avec un jingle qui va nous accompagner. Allez, qui dit actu libre, dit jingle. Eh oui, bah c'est comme ça. C'est l'actu. Chinda avec moi. Allez, ça fait du bien au chakra. C'est l'actu libre. Je me détends, non? Tu m'envoies à Mais je vous jure, ça détend. Non, mais ça nous met. Allez, blague à part. C'est pour détendre un petit peu les sujets qui sont souvent abordés dans l'actu libre. L'actu libre, c'est une rubrique qu'on aime beaucoup ici. Je sais que vous l'aimez beaucoup aussi. Et j'ai décidé de vous ramener une actu libre. Cette semaine, je vais vous parler d'une maman. Je vais vous parler d'une maman qui va nous rejoindre dans quelques instants. Cette maman, elle s'appelle Seta et elle dénonce un placement abusif. Elle dénonce le placement de son enfant, Abdel Malik. Et c'est donc son cri du cœur que vous allez découvrir. Son enfant, Abdel Malik, il a été placé dans une structure censée le protéger. Mais cette maman dit constater des négligences sur son enfant, notamment une dénutrition, des bleus, des hématomes. Selon elle, il est même tombé du deuxième étage de l'établissement social qui l'accueille. Aujourd'hui, elle a peur pour son enfant, Seta. Elle souhaite récupérer la garde. Je vous propose d'accueillir Seta qui mène un combat acharné pour obtenir justice et protéger son fils. Juste avant, on va diffuser une vidéo qui est extraite du compte qui soutient cette maman, qui soutient Seta, qui s'appelle « Touche pas à mon fils ». C'est une vidéo poignante que Seta a postée dans laquelle on voit son enfant qui est pris par les autorités alors qu'il n'en a pas envie, que sa maman ne le souhaite pas non plus, mais il a été placé et on l'accueille. Il veut parler avec vous. Il parle avec vous. Il veut parler avec vous. Je suis en train de filmer. Comme ça, tout le monde va voir que mon fils ne veut pas y aller. Tout le temps, c'est comme ça. Et vous le forcez. Il n'est même pas en condition. Il est effrayé. Il est effrayé. Il est effrayé. Regardez. Regardez, vous forcez les choses. Moi, je vais médiatiser tout ce que vous faites depuis le début, vous allez voir. Donc, c'est une vidéo qui est marquante, qui est frappante, qui fait mal. Toi, en tant que maman, avec ton cœur de maman, ça doit être dur, même de revoir ça. Ouais, c'est très dur. À chaque fois que je regarde la vidéo, c'est comme si c'était... je vivais à chaque fois. C'est compliqué. On commence par le début, Seta, pour que tout le monde, nos ajatrices et ajateurs, puissent comprendre un petit peu l'histoire qui te touche aujourd'hui, toi et ton fils, ta famille, hein, parce que tu as aussi une fille. Déjà, premièrement, quel âge il avait, ton fils Abdel Malik, quand tu découvres qu'il est atteint d'autisme sévère? C'est-à-dire qu'il ne parle pas, hein, c'est ça? Oui. À un an et demi, à la PMU, il me disait que mon fils ne réagissait pas quand on l'appelait par son prénom. Il ne jouait pas, en fait. Il ne jouait pas. Il n'y avait pas d'interaction, il était dans sa bulle, en fait. Tu l'avais senti? Tu l'avais compris, non? Rapidement? Non, du tout, parce que c'était compliqué. J'étais dans un moment difficile, c'était un moment difficile pour moi, en fait. Pourquoi c'était un moment difficile? Parce que déjà, rien que comment j'ai eu Abdel Malik, c'était compliqué pour moi, déjà. Tu veux expliquer comment tu l'as eu?
Bah, en fait, c'est un cousin éloigné qui a abusé de moi, en fait. Voilà. Tu as fait le choix de le garder ? J'ai fait le choix de le garder. Malgré le traumatisme que tu avais vécu ? Oui, c'est ça. Que tu vis certainement encore, parce qu'on n'oublie pas ? On n'oublie pas, oui. C'est ça. Après, j'ai eu les suivis avec pas mal de psychologues, etc. Mais en fait, ce qui m'a fait vraiment mal, en fait, c'était quand en fait, on m'a dit que mon fils, bah, en fait, qu'il y a un problème avec mon fils, quoi, en fait. Qu'on pense que Adel Malik a quelque chose, et quand le diagnostic il est tombé, bah, en fait, là, je suis sortie de ma bulle. Et c'est là que je suis partie en dépression, en fait. Mais tu as tout fait pourtant pour ton fils. Je sais que tu as pris des cours pour pouvoir interagir avec oui, lui. Oui, hein? Oui, je me suis formée, oui. Tu t'es formée, tu as tout fait pour qu'il puisse grandir avec les meilleures cartes entre les mains, malgré l'handicap. On peut parler d'handicap. Oui, tout à fait, oui. Et alors, pourquoi ton fils, il t'a été subtilisé le 18 octobre 2022 bon, en fait, en 2021, en fait, j'ai déménagé. Et suite à mon déménagement, le CMP qui nous suivait, ben en fait, ils m'ont accusé de maltraitance, soi-disant parce que j'ai déménagé et qu'il n'est plus suivi dans ce CMP. Pourquoi t'as accusé de maltraitance? Parce que tu déménages, moi, c'est ça que ma je maltraitance comprends pas. Dont on m'a parlé, c'est qu'il n'a plus de soins parce qu'il n'est plus dans ce CMP. Le CMP, c'est quoi? Centre médico-psychologique. Là, qu'est-ce que tu leur dis quand on te dit ça? Donc, je leur dis, bah, écoutez... J'ai déménagé parce que ma mère elle a déménagé, donc je déménage pour me rapprocher de ma mère, pour avoir de l'aide. Parce qu'avec Abdel Malik, c'est pas évident d'être maman solo avec un enfant en situation de handicap. Bien sûr. Et j'avais aussi sa petite sœur. Donc j'ai dit que je veux me rapprocher de ma mère tout simplement pour avoir de l'aide, quoi, en fait, tout simplement. Sauf que ça a mal été perçu par le CMP qui nous suivait à l'époque. Et en fait, c'est là que toute l'histoire, en fait, elle a commencé, on va dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis ce 18 octobre 2022, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant, tu vois ton fils à quelle fréquence? Un week-end sur deux. Normalement, je suis censée le voir un week-end sur deux. Sauf que parfois, je peux faire deux semaines, je le vois pas. Tu le vois pas parce que c'est toi qui souhaites pas le voir ou parce qu'on te donne pas l'accès à ton propre fils? C'est ça. Parce qu'on me donne pas l'accès. On te permet pas de le voir? Non. Ouais. Tu le vis comment? Ah, c'est très dur. Parce que ce même CMP qui m'a accusé de maltraitance, parce que Abdel Malik est le plus suivi dans ce CMP, au tout début, ils m'ont accusé d'avoir une relation trop fusionnelle avec lui. Pardon? Oui. On m'a accusé d'avoir une relation trop fusionnelle avec lui, que j'étais toxique pour lui. Ça fait mal, ça? Ouais. Quand tu fais tout pour ton enfant et que tu entends des mots comme ça de la part d'une institution, ça fait mal. Droit au cœur. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est que d'un côté, on m'accuse d'avoir une relation trop fusionnelle avec lui, et ce même CMP d'un côté, et d'un autre côté, il m'accuse de maltraitance parce que j'ai déménagé, qu'il est plus suivi dans ce CMP. En fait, dans mon dossier, il y a trop d'éléments en fait contradictoires en fait. Pourquoi tu considères que c'est un placement abusif? Parce que c'est ce que tu dis, c'est ce que dénonce également la pétition change.org. Pourquoi, selon toi, c'est un placement abusif? Est-ce que tu étais au courant qu'il allait être placé? Alors, en 2022, parce qu'en fait, suite à mon déménagement, finalement, il y a les services sociaux qui sont venus chez moi en disant que mes enfants étaient en danger avec moi. Donc, j'ai dû me présenter une première fois en 2021 devant un juge pour expliquer les raisons du signalement. Donc, j'expliquais que c'était pour me rapprocher de ma maman. Et de là, bah, en fait... elle me met des éducateurs pour m'accompagner, notamment pour Abdel Malik, parce que ça faisait quand même à l'époque 6 ans, on n'avait que des refus au niveau des établissements spécialisés. Et on me disait que les éducateurs, ils allaient m'aider pour tout ce qui concerne l'orientation ou les démarches et autres. Sauf que ça n'a jamais été le cas. Donc en 2022, l'avocate qui me représentait à l'époque, c'est une avocate qui est renommée et spécialisée dans la défense des enfants autistes. Je lui ai demandé si elle ne connaissait pas justement une structure ou un établissement qui pourrait prendre en charge Abdel Malik, vu qu'on n'a que des refus. Et de là, elle me parle d'une association qui s'appelle le Silence des Justes. Tu souhaitais qu'il soit placé, en tout cas pris en charge? Oui. Et que là-bas, bah, c'est là-bas qu'elle oriente toutes les personnes en fait, qui
qui lui sollicite un endroit pour que leur enfant puisse avoir une prise en charge. Et ça n'a pas été accordé, c'est ça, par ça le tribunal? Ça a été accordé. Ah, ça a été accordé? J'ai eu l'ordonnance. T'as eu l'ordonnance. Alors pourquoi il ne va pas dans cette association dans laquelle tu voulais qu'il aille? En fait, c'est là que... En fait, je ne comprends pas. Du coup, on me fait cette ordonnance. J'ai l'autorisation pour qu'il puisse aller au silence des justes. L'éducateur qui me suivait à l'époque, il me dit qu'il va me présenter une personne de l'ASE qui va être ma référente, et c'est vers elle qu'il faudra que maintenant je me dirige pour tout ce qui est administration, enfin, les démarches à venir en ce qui concerne Abdel Malik. L'ASE, c'est la protection de l'enfance. C'est ça. Donc, quelques jours après, il vient avec la personne de l'ASE qui allait être ma référente. Alors elle me demande de voir avec la maison départementale des soins de solidarité, MDPH, pour avoir une notification d'orientation en IME. IME, c'est un établissement médico-psychologique. Donc j'ai pu avoir tous les documents demandés à temps record. Et une fois que je reçois tous les documents, bah là on me dit non, bah finalement c'est pas possible. On ne peut pas financer. C'est trop onéreux pour nous. C'est 4 000 euros par mois, ouais. C'est ça. Donc là, il est où, ton petit? Il est... en fait, il est tout dans un immeuble vide. Et il est tout seul dans un appartement, avec quelques éducateurs qui se relaient à s'occuper de lui. Toi, t'estimes qu'il n'est pas stimulé, qu'il n'a pas de stimulation, qu'il n'a pas de jeu, c'est ça? Il n'a pas. Enfin, les éducateurs qui s'occupent de lui, les deux, ils ne sont pas formés à son autisme. Et Abdel Malik, c'est un enfant autiste sévère, non-verbal, qui n'a pas le moyen de communiquer. Et eux, ils ne sont pas formés, du coup, ils ne comprennent pas. Et du coup, Abdel Malik, il fait beaucoup de crises, il est angoissé, il est enfermé dans sa chambre, il n'a pas de jeu, il se stimule avec une chaussette, et il n'a pas de soins, il n'est pas scolarisé. On m'a accusé de maltraitance pour défaut de soins, mais avec moi, il a fait plus de soins que maintenant, qu'en fait, actuellement, donc je ne comprends pas. Et il y a eu un événement aussi tragique qui s'est passé, c'est que tu estimes qu'à un moment donné, il aurait été... sans surveillance, et ça tu ne comprends pas pourquoi il aurait été sans surveillance, parce que ton petit est tombé du deuxième étage de l'établissement qui l'accueille, c'est ça? Oui. Bah, déjà, au bout de 3 mois de placement, déjà, il avait perdu 10 kilos. Il a par la suite eu un suivi pour dénutrition. Et depuis tout le début de son placement, chaque retour de domicile, je constate des dermabrasions, des hématomes sur son corps, j'ai des certificats, j'ai des attestations. La dernière audience, c'était au mois de juin. Exactement le 18 juin, je me représente à nouveau pour savoir si ça va être reconditionné le renouvellement de placement ou si ça va être retiré. Et j'apporte un dossier comme ça, de tous les éléments des preuves qui prouvent qu'Abdel Malik est leur maltraitance institutionnelle. Sauf que on ne veut pas tenir compte de mes éléments. Tu as l'impression qu'on ne t'entend pas, que l'institution ne t'entend pas? En fait, mon avocate, elle a pris le dossier. Elle a donné à la personne, et la personne, elle a dit qu'elle n'a pas besoin de mes éléments, elle n'a pas besoin de mes preuves. Que ça fait des années qu'elle travaille avec ce service, en parlant de l'ASE, et que, en gros, mon fils, s'ils disent que mon fils il va très bien, c'est qu'il va très bien. Donc comme s'il était impossible de remettre en question un système? Oui, que c'est la protection de l'enfance, qui sont dans le bien-être de l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant. En gros, c'est moi, vu que je ne suis pas en accord avec ce qu'ils disent, donc en gros, c'est moi qui ai un problème psychologique ou psychiatrique. Et le jour où il est tombé du deuxième étage de l'établissement social qui l'accueille, toi, tu es prévenu genre quelques heures après? 3 heures après. 3 heures après. 3 heures. Là, on te dit qu'il a été amené à l'hôpital? Oui. 2 heures après, je crois? 2 heures et demie après. 2 heures et demie après. Tu te rends à l'hôpital? Oui. Et là, tu constates que ton fils, il est comment? Déjà, je vois qu'il est arrivé tout nu à l'hôpital. Il avait juste sa protection. Oui, là, c'est les photos quand il était à l'hôpital. Oui, il avait juste sa protection. Tu parles d'un staphylocoque? Oui, il avait... une infection urinaire? Oui, il avait attrapé un virus, je ne sais quel virus. Et il avait aussi attrapé une conjonctivite. T'es inquiète? Très inquiète. Parce que surtout... depuis le début, Abdel Malik, on voit clairement qu'il est en institution, enfin, en maltraitance institutionnelle, qu'il n'est pas pris en charge, les prises en charge elles sont inexistantes, les éducateurs qui s'occupent de lui ne sont pas formés. Il est en détresse, Abdel Malik, et il régresse. Toi, tu arrives à le ressentir, ton fils, quand tu le vois, ce qu'il pense, ce qu'il ressent? Oui. Tu as cette connexion? Oui, bien sûr. Le regard, il m'en parle. Des fois, il y a des choses, on n'a pas besoin de parler. Qu'est-ce qu'il te dit sans parler? Je vois bien que son regard, il n'est pas bien. C'est mon fils.
c'est mon fils, oui. Il n'est pas bien. T'as peur qu'on te retire ton droit de visite? T'as peur qu'on te retire ton droit de parentalité? Je sais même, ça peut exister? Ben avant la défenestration, c'était parti pour me retirer mon autorité parentale, mes droits de visite, et de ne plus voir mon fils qu'à ses 18 ans. Avant le drame où il tombe du deuxième étage? Ouais. Ouais. Et ça veut dire que l'audience était le 18 juin et la défenestration, c'était le 26. Mais finalement, vu ce qui s'est passé, j'avais dit, finalement, on m'a laissé mon autorité parentale et mes droits de visite. Mais on a reconditionné le placement d'Abdelmalik pour un an dans le même endroit. T'as expliqué que ça pouvait être très grave, je veux dire... Ça fait un an que je le dis. Je me doute, mais ton enfant, il tombe du deuxième étage, il est dans un endroit spécialisé, il est censé être encadré, il est censé être surveillé. Je suis persuadé que ça vous fait réagir. Oui, je le vois. Il faut savoir qu'en ASE, il se passe plein de choses comme ça. Et en fait, c'est que je pense qu'ils se couvrent un peu tous entre eux. Donc quand tu es parti déposer effectivement ce dossier, elle n'a pas voulu prendre en considération parce que prendre en compte ce que tu lui dis sur l'ASE, c'est du coup cautionner le fait qu'effectivement l'ASE aujourd'hui, ce n'est pas du tout un endroit où ton enfant peut être tranquille ou en sécurité. Voilà. Et juste aussi, ce que je voulais te demander, c'est pourquoi ils t'ont refusé le placement ou la prise en charge en IME, qui aurait pu être adapté en effet à ton fils. Ils disent que c'est trop onéreux. Mais sauf que quand ils ont refusé qu'il aille au silence des justes, ils ont dit qu'il ne peut pas aller là-bas, mais on lui a trouvé une IME. Une association qui s'appelle la PISE. Ils ont deux IME qui leur appartiennent. La journée, il est à l'IME qui leur appartient. Et le soir, il est dormi dans un centre pour le handicap. Sauf qu'au bout d'une semaine, il n'avait toujours pas intégré l'IME en question. Et quand j'ai demandé, on a commencé à me dire que ce n'est pas possible, qu'il est trop agressif, il faudrait qu'il se stabilise. Alors que c'est les soins qui l'auraient stabilisé. Et auprès de sa maman, surtout. J'avais une relation fusionnelle pour que vous compreniez avec lui. Ouais, mais... Du coup, il était perturbé. Même un enfant, même s'il n'a pas d'handicap, on le retire de son parent. Surtout dans les cas d'autisme sévère. On sait, moi j'ai rencontré beaucoup de parents dans l'association Adrien qui ont un enfant autiste et tous ont le même discours, c'est qu'on essaye de laisser un enfant proche de sa mère ou de son père parce que c'est le plus à même de comprendre le fonctionnement de son enfant. Et aujourd'hui en France, on a un gros souci sur la prise en charge de l'autisme. On ne sait pas. On a un retard de diagnostic et on a un retard d'accompagnement et de prise en charge. Et qui mieux qu'un parent pour connaître son enfant et pour l'accompagner? C'est ça qui paraît surréaliste. Et en plus, il y a quand même des situations où les enfants ils veulent partir, où c'est vraiment violent à la maison, où il y a des problèmes. On entend que personne ne fait rien, qu'ils sont restés dans les familles jusqu'à des âges. Et au final, là, c'est une situation où l'enfant il a envie de rester, où il y a un lien entre la mère et son enfant. Et là, du coup, on ne veut pas rendre l'enfant. Et en plus, je suis d'accord avec le fait que dans l'autisme et dans les maladies, les handicaps mentaux en général, il faut vraiment être entouré d'amour. Moi, je sais que je vais tout le temps dans des orphelinats pour faire du volontariat. Et justement, là, il y a quelques mois, j'étais dans un centre où c'était plutôt des enfants avec des handicaps mentaux. Et justement, quand on est arrivé, on nous disait de donner leur le plus d'amour possible. Il faut vraiment créer un lien. Ils ont vraiment besoin de ça. Par exemple, là, c'est pas trisomie, c'est autisme, mais les trisomies sont très tactiles. Ils aiment bien les câlins, qu'on les prenne dans les bras et tout. Et je trouve ça vachement dur déjà de séparer un enfant de ses parents. Et en plus, là, dans ce cas-là, encore pire. Jinda, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette maman? Désolée, je peux pas. Ça te touche beaucoup? Comment tu fais au quotidien, Seta? Loin de ton fils? Je me bats. Je me bats. Il n'y a que ça, en fait. Je me bats. Je vais sur Internet, je demande de l'aide. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, même avec la défenestration, j'avais commencé à médiatiser, justement. J'ai Le Parisien qui m'en a écrit un article avec France 3. Je suis passée à l'antenne libre d'Olivier Delacroix pour parler de mon histoire. J'ai fait pas mal d'antennes radio. Je suis soutenue aussi par des associations telles que Approche Globale, qu'ils ont fait une lettre ouverte signée par plusieurs associations qui représentent l'autisme. Mais toujours rien. Toujours rien. On ne veut toujours pas me rendre mon fils. La protection de l'enfance, ils disent que mon fils, il a des soins, qu'il va très bien, qu'il a progressé. Et que peut-être que les hématomes en question, peut-être que c'est moi qui lui fais. Voilà. Et que mon fils, il ne veut pas rester avec moi. Et c'est pourquoi j'ai fait la vidéo où vous voyez,
Donc tu as besoin de communiquer. Je vais juste te demander, parce qu'on passe l'information dans l'oreillette, de faire attention au tissu. Ah, d'accord. Pour pas que tu sais que ça touche, parce que sinon ça frotte. Alors nous, ça frotte. Nous, on l'entend pas en plateau, mais les agents, on l'entend, désolé. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, t'as que ça aujourd'hui, t'as que ta voix. Oui. Et donc, comment on peut t'aider aujourd'hui? C'est en portant ton discours. C'est ça. C'est ça. En c'est portant ça. Ta voix, c'est pour ça qu'il y a le ça, site change.org. Oui, la pétition. La pétition. Oui. Plus il y aura de signatures, plus j'aurai de visibilité, plus Abdel Malik aura de la chance de m'être rendu, quoi, en fait. Vraiment. En tout cas, dans le chat, on a mis le lien de la pétition, c'est ça, qui nous conduit jusqu'à la cagnotte également, on souhaite te soutenir. Pour les frais d'avocat, je suis une maman solo, je ne travaille pas, je suis moi-même en situation de handicap, et c'est pas évident, vraiment. Et puis tu as le compte aussi, hein, tu as du soutien, tu as qu'on ne touche pas à mon fils. Oui. C'est ça qui a été créé sur Instagram. Sur Instagram et aussi TikTok et Facebook aussi. Tu arrives à garder espoir? Oui, parce qu'on est dans un pays de droit quand même, je ne sais pas. Mais j'espère que, voilà, avec les médias, ça va faire bouger les choses. Voilà. Merci, Seta, de nous avoir partagé ton histoire, celle que tu traverses en ce moment, qui n'est pas évidente. Tu vas continuer de me donner des nouvelles, j'espère. Oui, oui, bien sûr, oui. C'est une personne que tu connais, enfin, en tout cas, avec qui tu as été en contact et qu'on connaît... On connaît bien parce qu'on l'a reçue, je l'ai reçue en interview, elle était venue sur Aja, c'est Nathalie qui t'a mis en relation avec nous. Tout à fait. Nathalie, encore beaucoup de pensées pour toi. Mm. On t'embrasse également. Si vous n'avez pas suivi, vous tapez Nathalie, interview, ça me dira. Si elle, vous retrouverez. Effectivement, sur les réseaux, elle est tombée sur mon histoire. C'est plutôt une amie à elle qui lui a parlé de mon histoire. Et du coup, elle m'a dit, je peux te proposer le Samzira, vraiment, comme il m'a aidé. Et tu verras, il est top. Et effectivement. Eh ben, tu me donnes des nouvelles. Oui. Je continue de suivre ton histoire, de suivre l'avancée par rapport à ton fils Abdel Malik. Et on va espérer que l'issue soit positive. Oui. Je pense, j'espère qu'elle le sera, mais le plus vite possible. Oui. Parce qu'en attendant, ça cause des dégâts. Oui, beaucoup, beaucoup. Pour ton fils, qui ne doit pas être bien. Oui. Pour toi en tant que maman. Et il y a aussi l'entourage. Il y a ta fille. Oui. Il y a la famille. Comment elle va, ta fille? C'est compliqué. Hein. Des fois, ma fille, la plus grande, elle a 5 ans. Elle est atteinte d'un autisme léger, mais elle avait créé un lien avec Abdel Malik, en fait. Elle s'exprime, elle parle? Oui. Depuis peu, elle parle, oui. Il lui manque, son frère. Ouais. C'est vrai qu'au début, elle pleurait. Elle me dit, pourquoi Malik, il n'est pas là? Pourquoi Malik, il part? C'est compliqué. On va t'apporter toute notre courage, tout notre accompagnement positif, parce que l'énergie, on ne la voit pas, mais elle se ressent. Mm. Et c'est important dans des moments comme ça, parce qu'on en a besoin pour pouvoir avancer. Merci, Seta. Merci à tous pour cette émission. Vous voyez, on est passé par des sujets tous très différents. Je suis content qu'on ait pu remettre autour de ces canapés, sur ce plateau L'Actu Libre. On va se retrouver la semaine prochaine pour le numéro 158 d'Aja. En attendant, dans la description de cette vidéo, vous avez tous les liens, tous les éléments pour pouvoir aider, contribuer à porter la voix de Seta qui a besoin de nous, qui a besoin de vous en ce moment. D'ici là, prenez soin de vous. Joy, merci de nous avoir honoré de ta présence. Shani, je sais que ce n'était pas évident après cette année un petit peu difficile. On comprendra beaucoup plus de choses dans notre interview en toute intimité. Alexandra, Jinda et Aaron, merci encore d'avoir illuminé le plateau par votre présence. Et merci à vous, Ajatrice et Ajateur, pour votre loyauté, votre fidélité, votre bienveillance et votre amour. À la semaine prochaine.